Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir renouvelé que d'être avec vous. Et comme on aime à le dire ici, nous cherchons plutôt à convaincre et non à vaincre qui que ce soit. Et cela uniquement avec les arguments. Et le plaisir d'être avec vous, c'est toujours vraiment quelque chose de grand pour l'éclaireur pour vérité. Et ce soir, vous avez constaté un petit retard de 36 minutes. Je m'en excuse extrêmement. On avait été empêché dans un embouteillage, c'est ce qui a causé ce désagrément et sincèrement, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Et donc, pour ne pas perdre plus de temps, je vais tomber directement dans le vif du sujet. Et le premier sujet concerne toujours le sujet brûlant de l'actualité, qui a été les incidents malheureux qui se sont opérés entre nous et nos frères nigériens résidant en Côte d'Ivoire. Et là, il y a un article de Kouassi qui dit ceci, le titre, Après la honte. On tente de recoller les morceaux avec nos frères nigériens. Et je lis le vif du sujet. La Côte d'Ivoire fut la semaine dernière le théâtre d'une honte africaine. À Abidjan, un émoi viral sur Internet a poussé au pire. Un pogrom contre la communauté nigérienne dans les quartiers populaires d'Abidjan et de Yopougon. Un épisode alertant sur notre société qui se soldera officiellement par un mort, des dizaines de blessés et des commerces détruits. Officieusement, le bilan serait plus lourd si le silence des principales forces vives au moment des faits fut, là encore, un fait alarmant, hormis des annonces de bilan, d'arrestation, de jugement et d'une condamnation présidentielle vendredi soir depuis. Mercredi, jour de la folie, on attendait une action de pardon, un geste au moins envers la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce fut chose faite ce lundi de Pentecôte, dans le cadre des rencontres CCE, c'est-à-dire Comité consultatif d'éthique, et relativement aux activités de sensibilisation de la communauté nigériane suite aux événements du 19 et 20 mai 2021. Le chef de service du commissariat de police du 35e arrondissement de la Riviera Palmyrée a initié une rencontre ce lundi 24 mai 2021, apprend-on, ce qui est chose importante. Et parallèlement à cela, nous aussi, nous avons mené nos propres enquêtes et nous disons que cette situation, il est important qu'on les évite et qu'on ne puisse pas prendre nos propres frères africains comme des ennemis ou leur imposer des difficultés qui ne sont pas nécessaires. Et je crois que tout naturellement, chacun parmi nous aura tiré les leçons qu'il est nécessaire de retenir. Parce qu'en Afrique, nous sommes tous Africains et tout Africain doit avoir le droit et la possibilité de circuler partout où il le souhaite pour pouvoir réaliser son bonheur. C'est ce qui a rendu les Amériques grandes, c'est ce qui aussi a rendu l'Europe grande. Parce que l'union fait toujours la force. C'est vraiment très important. Et donc, nous espérons que ces événements malheureux seront bientôt mis derrière nous et que la fraternité et le vivre ensemble va prédominer. Le deuxième sujet concerne la politique en Côte d'Ivoire et le titre Parti en exil après une négociation avec le pouvoir d'Abidjan, Anaki Koména annonce son retour en juin pour revenir au RHDP. Je lis d'abord l'article avant de faire le commentaire. Nous apprenons que le leader du MFA a transmis que, suite à une convocation et une plainte déposée contre lui, Anaki Koména avait choisi le chemin de l'exil. Sans préciser où et comment, nous apprenons qu'après avoir négocié avec le pouvoir en place, la justice et la police nationale l'ancien ministre des Transports de Laurent Gbagbo et membre fondateur du RHDP compte rentrer en Côte d'Ivoire dans le mois de juin pour contribuer à la réconciliation nationale tant souhaitée par Son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara, comme révélé du document à date de ce lundi 24 mai 2021 et signé CERCOM MFA. Il nous a expliqué que la date du retour sera communiquée ultérieurement. Vu les préparatifs pour rejoindre le RHDP, nous informant
Par la même occasion, Kanaki compte prendre sa part du gâteau. Suspecté d'avoir suivi Sorogium dans ce que bon nombre d'observateurs ont qualifié de plan B, en cas de fléchissement de la Sanwatra, contraint à se présenter en octobre dernier, après le soudain décès d'Amadou Gon Coulibaly, qui était le potentiel successeur au sein du RHDP. Anaki Komina avait, avec sa verve virulente qu'on lui connaît, tiré à boulet rouge sur le choix fataliste de celui qu'il semble désormais adouber. Et donc, ça, c'était l'article. Mais ce qui est important de retenir, c'est que des personnes comme Anaki Komina ne sont vraiment pas des références morales, encore moins des personnes crédibles. Voilà quelqu'un qui, depuis très longtemps, certes fait de la politique en Côte d'Ivoire, mais qui n'a aucun cheminement lucide, qui n'a aucune compréhension, même, je dirais, de la politique, parce qu'il l'a et il ne fait que voguer au gré des vents et de ses propres intérêts que personne ne comprend difficilement. Parce que dites-moi, pour ceux qui font ou qui connaissent la scène politique ivoirienne, à partir de quelle idéologie véritablement ce monsieur-là fonctionne? Parce qu'à bien l'écouter, on ne maîtrise pas vraiment les données politiques ou bien l'idéologie politique de ce monsieur. Et donc, partant de ce fait déjà, on peut présager que ce monsieur est exclusivement à la recherche de ses propres intérêts et non les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et certainement pour nous autres qui faisons une analyse, ces gens peuvent certes revenir au RHDP, mais nous interpellons les leaders du RHDP. Faites beaucoup attention. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or et tout ce qui revient après avoir fait le CNT, après avoir commis toutes les turpitudes contre la République, ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils viennent avec une intention limpide, une intention claire. Mais ces gens vous reviennent parce qu'ils ont échoué. Mais particulièrement dans le cas de Anaki Komina, je sais et je peux déjà vous affirmer que ce monsieur certainement fait partie du plan C de Laurent Gbagbo ou bien de l'opposition ivoirienne. Ça, je peux vous l'assurer. Ce monsieur, certes, peut revenir au RHDP, mais sachez qu'il vient en observateur, sachez qu'il vient en éclaireur pour voir et prévenir sur ce que le RHDP est capable de faire ou ne pas faire pour essayer de fragiliser le RHDP. Et concernant aussi les adhésions, je l'ai dit, il y a un bon bout de temps, pratiquement 1 ou 2 mois, que certainement on va assister à un effritement des différents partis politiques, à commencer par le PDCI et s'en suivra le FPI et autres leaders de partis politiques. Mais ce qui est intéressant de retenir, comme je le disais, c'est que ces adhésions-là peuvent être certes un avantage, mais ces adhésions aussi peuvent être le plus grand mal que le RHDP va s'administrer lui-même. Si le RHDP ne prend pas garde, si le RHDP ne quitte pas dans les sentiments, je parle des leaders, si le RHDP s'en tient à dire des personnes viennent parce qu'elles s'appellent Anaki, parce qu'elles s'appellent Mabri ou même parce qu'elles s'appellent Bédié, ça ne veut absolument rien dire. Si ces personnes doivent revenir, à mon sens, il faille que ces personnes-là, on puisse les dissoudre dans le parti. Et il faille que ces personnes acceptent cela. Et il sera aussi important de les remettre selon la ligne d'arrivée et ne pas leur donner l'importance qu'il faut. Et pourquoi? Je m'explique. Chaque fois que ces personnes qui n'ont pas de conviction, parce que suivez bien ma ligne de conduite, mes explications, je dis au départ que c'est quelqu'un qui est sans conviction. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je dis que ces gens-là, il faut les dissoudre et les utiliser plutôt que de leur donner la place qu'ils ne méritent pas, encore moins le respect ou bien la valeur qu'ils n'ont pas. Parce que, au fond, tous ceux qui reviennent au RHDP, donnez-nous véritablement leur poids véritable. Et pour comprendre leur poids, fixez-vous sur les élections de 2020. Certains médias n'ont pas participé. Ils n'ont pas participé parce qu'ils savaient qu'ils ne valaient pas le poids. C'est ça aussi la réalité. Ils n'ont pas participé parce qu'ils savaient que ce qui les attendait, c'était toute l'opposition confondue, les 40% qui les attendaient. Et les élections législatives sont encore venues confirmer cela. Et donc, ça veut dire que, à l'analyse politique sur les résultats des présidentielles et des législatives, on peut conclure que Alassane Ouattara gagnait facilement de façon globale à 60%. Et donc, notre opposition, en réalité, ne vaut pas plus que 20% en Côte d'Ivoire. Maintenant, dans ces 20%, prenez des personnes comme les Anaki Komina ou les Mabri et essayez de vérifier leur poids véritable, ce n'est pas plus de 2 ou 3%. Et donc, ces personnes-là, connaissant le fait qu'elles n'ont pas une influence assez véritable, vont toujours s'encoquiner, vont toujours
prendre attache avec l'opposition pour servir de relais, pour pouvoir espionner, pour pouvoir affaiblir le RHDP. Et vous l'avez bien vu, pour ceux qui ont connu, je vais dire aujourd'hui quelque chose que beaucoup de personnes ne savaient pas. Lorsque Mabri a décidé de quitter le RHDP, il y a une délégation qui a été formée pour lui dire de ne pas procéder et d'être là parce que c'est le choix qu'il fallait. Mais si vous aviez entendu les discours d'arrogance que ce monsieur avait dégagé et l'assurance qu'il donnait que leur coup du CNT aurait été ce qu'il souhaitait, vous n'aurez vraiment pas eu envie même qu'aujourd'hui ces personnes reviennent. Mais nous sommes certainement dans une dynamique d'accepter tout le monde, parce que c'est ce qui est important. Il faut une nation unie, mais en même temps, il ne faut pas donner à ces personnes la valeur qu'elles n'ont pas. Ces personnes ne représentent que 2% ou 1% ou 0%. Et donc, maintenez-les avec ça en leur disant, de façon claire, vous venez dans le parti. Voilà la position qu'on vous donne, c'est nous qui imposons notre ligne de conduite. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui sont demandeurs. C'est eux qui ont besoin d'un appui politique pour se relancer. Et comme on le sait, comme on le dit, un être humain ne change jamais ses habitudes parce que c'est la seule chose qui peut nous trahir pour montrer notre vraie personnalité. Il ne faut jamais juger un être humain sur un fait ou sur un événement, mais il est plus facile de juger une personne sur ses habitudes. Et donc, l'habitude étant une seconde nature, ces personnes ne reviennent que pour se faire une santé financière et reprendre les mêmes choses que nous avons vues en 2019 et 2018. C'est aussi clair que ça. Et donc, quittons dans les émotions et lisons entre les lignes et on comprendra bien. Voilà quelqu'un qui n'a pas d'idéologie politique. Voilà quelqu'un qui n'a pas d'appui politique. En termes de nombre, il n'en a pas. Et voilà quelqu'un qui a un passif, qui a un passé qui n'est pas reluisant, qui a été dans tous les partis. Et je parle de tous les opposants ivoiriens. Hein. Et donc, voilà autant de questions que pourquoi quelqu'un peut voguer au gré du vent? Ça veut dire que la personne est à la recherche d'un intérêt qui est d'abord personnel et individuel. Comment peut-on faire de la politique sans avoir et sans être capable de présenter une idéologie claire et nette? Le président Alassane Ouattara est ultra-libéral. Ça, c'est aussi clair que l'eau limpide. Comment peut-on faire de la politique sans avoir une base électorale ou même, si vous voulez, sociologique? Voilà autant de questions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'arguments. Ils n'ont pas d'arguments, donc personne ne peut les suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment peut-on faire de la politique, comme je le disais, si on n'a pas une idéologie, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à faire de la politique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, partant sur ces données que je viens d'évoquer, le RHDP doit, comme je l'ai dit, faire beaucoup attention. Adhésion, oui, mais ne donnez pas plus de valeur à ces personnes-là qu'à vos militants ou à vos cadres. C'est vraiment important. Si vous reprenez les mêmes erreurs, les mêmes conséquences seront là. Et le RHDP a eu pour péché mignon de toujours caresser ceux qui viennent dans le sens du poil et de donner à ces personnes même plus de valeur qu'elles n'ont dans leur propre parti ou en réalité, au détriment même du parti RHDP et des cadres et des personnes qui pouvaient être des éléments qu'on aurait pu former. Et donc, à l'analyse des faits, si on reprend les mêmes choses et qu'on donne trop d'importance à nos opposants, ils viendront s'enrichir et ils vont servir cette fois-ci, ils vont essayer de phagocyter le RHDP. Ils vont essayer de rester à l'intérieur du RHDP et détruire le RHDP de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la nouvelle stratégie que les opposants veulent adopter. Il faut faire des adhésions massives pour tromper le RHDP, les endormir et les détruire de l'intérieur. Et donc, la meilleure solution serait que ces gens-là puissent faire preuve de leur bonne foi et donc ne leur donner aucun poste, ne leur donner aucune importance et ne leur faites aucune faveur. Vous leur dites, vous étiez parti, vous êtes revenu, c'est bien, reprenez la place. C'est le premier venu, premier servi. Et nous avons des cadres compétents qui sont autour du président. Et c'est dans le même cadre que vous voyez le ministre. Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Quand le nom me reviendra, je vous le dirai. Que Ouattara aujourd'hui en train de former l'économiste en question, que M. Ouattara est en train de former le président, vous voyez déjà que le chef de l'État, à travers la vision qu'il mène, il a une ligne de conduite. Moi, en tout cas, à mon analyse personnelle, ce que je comprends aujourd'hui, le président veut certes l'union, mais il ne peut plus se tromper de vision. Ceux qui peuvent construire le pays et ceux qui peuvent assurer l'avenir, c'est exclusivement ceux qui auront appris. Mais appris avec beaucoup de sérieux auprès du président, qui pourront suivre et continuer
les grands efforts que le président a mis en place, ça ne peut pas être des personnes qui sont à la recherche de leurs intérêts égoïstes, ça ne peut pas être des personnes qui sont haineuses, ça ne peut pas être des personnes qui veulent diviser le peuple pour régner, ça ne peut pas être des personnes qui ne sont pas des personnes de conviction parce qu'elles n'ont pas d'idéologie. Et donc, le tableau, il est déjà dans le décor. Tant que vous ne venez pas de l'école Ouattara, vous ne pourrez pas maintenir la Côte d'Ivoire d'après 2025. Ce n'est pas de la politique, c'est une prévision qui s'impose à tous. Parce qu'aujourd'hui, calculez la taille des investissements. Calculez aujourd'hui le poids du capital politique dont jouit Ouattara aujourd'hui. Quand on parle de capital politique, ça veut dire l'ensemble de tous les aspects qu'un politicien s'attire pour mettre dans son actif afin d'être crédible. C'est ce que ça veut dire. Peut-être que si c'est trop de français, ça veut dire simplement, ça veut dire la confiance morale. Ça veut dire la confiance que les gens placent en toi. C'est ce que ça veut dire. Et donc, quand vous regardez tout ça, un Ouattara aujourd'hui qu'on appelle pour aller coacher tous les grands leaders mondiaux de la finance à Paris, comme vous avez pu voir la semaine dernière, ça veut dire que la crédibilité dont Ouattara jouit, pour pouvoir se maintenir dans ce canevas-là, il faut forcément être quelqu'un qui vient de l'usine Ouattara. Et sachez que la politique mondiale, la politique d'un pays ne se limite pas au pays ou bien au fait que quelqu'un soit populaire. Le monde est devenu plus sérieux que ça. Aujourd'hui, la politique, c'est qui peut faire les intérêts du monde ou du plus grand nombre des financiers. Voilà aujourd'hui la réalité politique du monde. Tu as beau être populaire, ça ne sert pas. Tu as beau être tribun, tu as beau être populiste, ça ne sert pas. Et vous avez vu tous ces exemples. Et la haine aussi n'a pas servi. Et donc, aujourd'hui, la seule chose qui compte, il faut que les États africains comprennent cela. Et aux États-Unis, c'est comme ça. Quand tu viens au pouvoir, nous qui allons te voter, on te demande qu'on gagne quoi? Voilà la première question qu'on se pose. Et donc, quand tu arrives à prouver le plan social que tu as pour tes électeurs ou bien les électeurs, on peut te voter ou ne pas te voter. Et la deuxième chose qui compte, c'est les relations avec le monde extérieur. Et donc, ces relations avec le monde extérieur commencent d'abord par les financiers, c'est-à-dire les grandes structures économiques du monde. Parce que c'est l'économie qui tient le monde. Et donc, la puissance d'un candidat et la valeur d'un candidat viennent naturellement de ses affinités avec les puissances, les institutions financières mondiales. Une fois que tu es en de bons termes avec eux, c'est eux qui vont financer tes élections. C'est quand tu auras gagné les élections, c'est eux qui vont te financer pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Comme je le dis toujours, quand on vient faire de la politique, on ne vient pas pour s'amuser, on ne vient pas pour perdre le temps au peuple. Un politicien, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves quelque part, comme Ouattara. Et c'est quelqu'un qui dit, l'expérience que j'ai acquise et qu'aujourd'hui je peux mettre au service de mon peuple, je vais venir rendre ce que j'ai dans la tête en réalité. Je vais transformer ça en quelque chose qu'on peut toucher pour que le peuple dise, il y a un homme qui a passé ici un jour. Et c'est ça véritablement faire de la politique. Et donc, et c'est ce que Ouattara a compris. Et donc, c'est pourquoi vous verrez, quelqu'un peut gagner comme dans les pays comme la Sierra, je pense que c'est la Sierra Leone. Ou bien même le Libéria. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais aujourd'hui, les financiers ne les financent pas. Les grands groupes internationaux ne les financent pas. Et donc aujourd'hui, la réalité politique du monde, il ne suffit pas d'être élu ou d'être populaire simplement. Mais c'est qui a la capacité de mobiliser les grands groupes financiers. Et une fois que tu as le pouvoir économique aujourd'hui, naturellement, tu as le pouvoir politique. Parce que tout bon politicien a besoin du filon économique. Et donc, c'est important. Et donc, chers Ivoiriens, apprenons à comprendre la politique autrement. La politique ne peut pas la faire qui le veut, mais ne la fait que ceux qui ont la capacité intellectuelle, ceux qui ont la capacité de comprendre correctement le monde et ceux qui ont la capacité de pouvoir anticiper ou d'être des rêveurs. Quand on parle de rêveurs, ça veut dire des gens qui ont déjà des idées bien ficelées en tête et qui veulent les matérialiser au bénéfice de leur peuple. C'est de ça aujourd'hui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller, vous allez m'excuser du terme, d'aller voter ou de suivre des jouisseurs publics, comme dirait quelqu'un d'autre, des enceinteurs de veuves. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas d'aller derrière des criminels, des anciens génocidaires, pour dire qu'ils sont arrivés. Oui, ils sont venus, mais quel est le passif qui est dans les casseroles qu'ils traînent? C'est la honte. C'est le crime, c'est des idées lugubres que ces personnes-là traînent. Et donc, on ne peut pas bâtir une crédibilité sur ça. Chers Ivoiriens, soyons un peu plus sérieux. La Côte d'Ivoire est devenue
on ne peut plus sérieuse. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un pays où vraiment être ivoirien redonne de la fierté à cause du président. Et donc, si on s'amuse aujourd'hui à aller choisir un président banabana, comme on le dit, ou bien un président flafla, ça sera à notre dépens et nous allons le regretter amèrement. Et donc, faisons attention à ces choix-là, pas à cause de nous-mêmes ou à cause de nos passions, mais à cause des générations à venir. Parce qu'en 2025, si nous nous permettons de faire le mauvais choix, nous aurons condamné les générations à venir et ce n'est pas juste. Parce que nos pères ont fait le choix de nous conduire vers le développement et il ne nous revient pas de faire la politique de la régression parce qu'on n'aime pas quelqu'un, parce qu'on est contre quelqu'un, parce que quelqu'un vient de notre région. La Côte d'Ivoire est devenue un peu plus sérieuse que ça et les Ivoiriens doivent grandir politiquement pour essayer de s'adapter à la réalité mondiale parce que celui qui n'évolue pas, naturellement, va régresser. Et nous allons terminer effectivement avec les sujets de ce soir pour parler du retour de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ses proches disent comme ça que l'heure n'est plus à la parole. Il y en a qui pleurent aujourd'hui, mais nous, on s'en fout. Et c'est seulement une partie que je vais lire et faire l'analyse. Et donc, après cela, notre charmante, belle et mignonne mère, Massiata Blanc, je ne veux pas que M. Blanc pâlisse et qu'il rougisse. Elle va nous délivrer son éditorial qui fait plaisir à plus d'un et qui est souvent beaucoup plus riche, même qu'on ne l'espère. Et donc, ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on va l'écouter. Et donc, voilà ce que l'article disait. Des partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo étaient rassemblés hier samedi 22 mai 2021 dans la plus grande commune d'Abidjan, c'est-à-dire Yopougon. Même si la date du retour au pays de Laurent Gbagbo n'est pas encore connue, un comité national d'accueil de Laurent Gbagbo a été mis en place pour organiser le retour en Côte d'Ivoire du fondateur du FPI. Ainsi, dans ce cadre de l'organisation de ce retour au pays de Laurent Gbagbo, ses partisans étaient rassemblés dans la commune de Yopougon hier pour mobiliser leurs militants. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs cadres et des proches de Laurent Gbagbo ainsi que du député de Yopougon. L'ancien ministre Hubert Houlaye a profité de cette occasion pour remercier la population de Yopougon d'avoir donné des députés à l'opposition. Pour lui, il s'agit toujours d'Hubert Houlaye, cet acte d'amour de Laurent Gbagbo devra se traduire en mobilisation pour accueillir l'ancien président le jour de son arrivée. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la parole, mais à la préparation du retour de Laurent Gbagbo. Il y en a qui pleurent aujourd'hui, mais on s'en fout, a déclaré l'ancien ministre Hubert Houlaye. Voilà, donc effectivement, c'est sur cet article-là que je souhaitais me baser pour essayer de dire que voilà déjà des personnes qui ne peuvent pas cesser avec les discours vulgaires, qui ne peuvent pas en finir avec l'irresponsabilité. Parce que, chères victimes, voyez-vous, nous vous disons de vous mobiliser pour la bonne cause qui est de défendre les bonnes valeurs et pour défendre vos droits. Voilà que, à travers Hubert Houlaye, le FPI vient de dire qu'aujourd'hui, les victimes qui pleurent, eux, ils s'en foutent royalement de vous. C'est aussi clair que ça s'est passé le samedi 22, ici à Yopougon. Et donc, vous n'allez pas venir me dire que ces personnes-là ont changé ou bien qu'elles ont pris conscience ou bien qu'elles sont en train d'aller vers le chemin de la rédemption. Ne nous trompons pas de combat. Et donc, chers auditeurs, soyez plus que mobilisés. Soyez plus que mobilisés et soyons déterminés à conduire Laurent Gbagbo au tribunal d'Abidjan dès son arrivée. Et sortez massivement par milliers, voire même par millions, pour montrer qu'il y a des vraies victimes. Et Oulaye Oubey, vous êtes conscient que les gens pleurent parce qu'aujourd'hui, ils ont mal des différentes calamités que leur a causées le régime Gbagbo. Mais vous venez de dire que vous vous foutez d'elles, de ces personnes, de ces victimes. Je vous dis ceci, le jour de l'arrivée de Gbagbo, nous allons vous donner la réplique. Et nous allons vous permettre de comprendre que sous l'état de Ouattara, le droit prévaudra. Et la dignité de l'espèce humaine, la dignité de toute personne humaine prévaudra parce que Laurent Gbagbo est régulièrement condamné en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait qui est absolu et reconnu de tous. Mais au-delà, la Côte d'Ivoire doit assumer sa responsabilité devant l'histoire que de faire cesser une bonne fois pour toutes l'apologie du crime. Parce qu'on peut critiquer, on peut tout dire. Mais il faudrait qu'à un certain moment, la justice puisse prendre ses responsabilités pour frapper dans le champ politique, quelle que soit la taille politique d'un individu, lui dire, vous avez assez déconné et
Nous vous rappelons à l'ordre avec la rigueur de la loi. Si on peut condamner une cyberactiviste, si on peut condamner des cyberactivistes gore, comme le drone et autres, et notre sœur bien-aimée, Mawa Fofana, ce qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, pensez à vous-même, les politiciens. Condamnez-vous certains parmi vous comme des prêcheurs de la haine et comme des personnes aujourd'hui qui disent qu'elles s'en foutent des victimes. Nous ne pouvons pas accepter de tels messages, mais ça démontre encore une fois de plus que nous devrions, et qu'il est même impératif, de pouvoir mobiliser les masses pour réclamer justice. C'est vraiment très important. Et donc, nous allons aller directement au troisième sujet, qui est aussi un article qui a été écrit par Afrique sur 7.ci. Et Ouattara a-t-il demandé aux frères de Soro Guillaume de le renier? Et donc, sachez que l'article l'a écrit. L'exil de Soro Guillaume, entamé le 23 décembre 2019, se prolonge. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne est en totale rupture avec le président Alassane Ouattara. Certains de ses proches sont incarcérés depuis plusieurs mois. Dans un récent tweet, le patron du GPS a fait savoir que le président ivoirien demande à Rigobert et à Simon Soro de le renier afin de recouvrer la liberté. Soro Guillaume postait ainsi: aujourd'hui, on leur demande de renier leur aîné. Et donc, je ne vais pas aller plus loin dans l'article parce que c'est déjà le corps du sujet qui est là. Et donc, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que tout porte à croire que l'homme Soro est vraiment déconnecté de la réalité en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, il prend ses lubies, ses folies les plus absolues pour de la réalité. Et il pense que nous sommes sur un terrain de l'amusement. Ouattara n'a que faire des personnes, M. Soro Guillaume. Encore moins des personnes inconnues et des criminels. Et Ouattara n'a pas la possibilité de couper le lien filial qui existe entre toi et tes frères. Mais c'est parce que toi et tes frères, vous avez choisi le chemin du brigandage, du banditisme et de l'immoralité, que toi, même si tu étais ici, tu te serais retrouvé en geôle entre les cages comme eux. Et donc, si vous êtes les frères Dalton, toi et tes frères, et bien sûr, dans ton lexique, on va t'appeler aussi maintenant Joe Dalton. Apprenez ce nom-là, vous allez l'appeler Soro Dalton. On va l'appeler comme ça aussi maintenant, Soro Dalton, ou bien Guillaume Dalton, parce qu'il y avait Joe Dalton, etc. Vous voyez que vous n'êtes pas vraiment source de fierté. Et que l'idéal aurait été que vous repreniez conscience. Mais Soro Guillaume, ce que je vais te dire maintenant, il faut bien m'écouter. Ouattara n'a jamais demandé à tes frères de te renier. Ce sont tes frères même qui ont compris que tu n'es pas une personne crédible. Tes frères ont compris que tu n'es pas quelqu'un de conviction. Tes frères ont compris que tu es pire qu'un fou. Tu es pire qu'un aliéné mental. Parce que si tu avais de l'humanité, si tu avais un peu de bon sens et si tu avais un peu de cœur, juste pour le lien de sang, tu aurais cherché la solution du juste milieu. À cause, pas de ta propre dignité ou de ta fierté mal placée, mais juste pour sauver la vie de tes propres frères. Et aujourd'hui, tes frères, après toutes les expériences qu'ils ont vécues, c'est ce qu'ils ont compris. Qu'en réalité, Simon et Rigobert ont compris que toi, Soro Guillaume, tu es, comme Ouattara le disait, tu es un jeune homme qui est devenu fou et qui ne maîtrise plus son mental à cause de la folie du pouvoir et de la folie de grandeur. Et donc, ils ont un choix fatidique, ils ont un choix qui est lié à leur destin. Ils sont aussi des pères de famille, ils sont des individus qui veulent, qui aspirent à leur dignité. C'est aussi des humains qui peuvent avoir fait des erreurs. Mais tu veux maintenant cacher la réalité de tes méfaits en faisant penser que Ouattara veut leur demander de te renier. Ouattara ne peut pas changer leur nom. Ouattara ne peut pas changer leur groupe sanguin. Ouattara ne peut pas changer leur ADN. Et donc, ça, tu peux le dire à des personnes incultes, à des personnes qui ne comprennent rien. Mais la réalité est que ces personnes-là, tes frères, sont déçus de toi et ils ont compris que tu n'es pas vraiment un bon garçon. Tu es vraiment la pire graine qui a pu exister dans votre famille. Et c'est pourquoi certains même t'appellent aujourd'hui le fils maudit ou l'enfant maudit de la famille. Parce que ton goût et ta folie illimitée pour le pouvoir sont sans borne. Et donc, ce sont plutôt tes frères même qui sont dans une posture de t'abandonner. C'est de ça qu'il s'agit, cher frère. Et donc, c'est mal connaître. Et quand j'ai lu l'article, ça m'a fait pitié pour toi. Ça veut dire que tu as été autour de Ouattara, mais tu n'as pas connu l'homme et tu n'as même pas cherché à apprendre à connaître l'homme.
Monsieur, vous attendez, lorsque j'en aurai fini avec les explications, vous serez certainement la première personne que je vais prendre. Nous sommes encore dans le cours des explications pour planter le décor et lorsqu'on en aura fini, vous serez pris. Voilà, donc comme je disais, c'est des personnes qui ont une conscience morale et c'est des personnes qui ont la capacité de pouvoir se juger et se critiquer ou bien apporter un plus à leur raisonnement. Parce que comme on le dit en philosophie, la plus grande bénédiction qui existe, c'est aussi la contradiction. Parce que dans la contradiction, on apprend à grandir intellectuellement. Et donc ces personnes-là ont compris que toi, Soro, tu es en train de leur conduire inévitablement dans les abîmes. Et donc, elles ont décidé de leur propre chef de prendre leur destin en main. Maintenant, même si ces personnes-là te reniaient, en quoi est-ce que cela peut être un programme de développement pour Ouattara? Parce que pour les gens qui ne comprennent rien, ils vont dire, ah, c'est vrai, c'est faux. Ok, il n'y a pas de problème. Si tes frères te renient là, Ouattara gagne quoi dedans? Ouattara gagne quoi dedans? Politiquement, qu'est-ce qu'il retire là-dedans? Parce que officiellement, Ouattara est un politicien. Quel avantage politique il gagne là-dedans? Laissons ça. Avant d'être politicien, merci maman, faut partir. Monsieur, vous arrêtez, sinon je vais vous bloquer. Sincèrement, si vous m'entendez, je vous ai dit d'entendre. Si vous persistez, je serai obligé de vous bloquer parce que je vous ai dit d'attendre. Il y a la présentation de l'émission. Il y a de l'ordre ici et ça, tout le monde doit la respecter. Quand vous faites comme ça, vous déstabilisez l'émission. Et donc, s'il vous plaît, j'ai été assez sympathique. Je vous ai dit d'entendre, d'attendre. Après ma présentation, il y a notre maman qui lira son éditorial. Et quand elle en aura fini, on va vous permettre d'appeler. Et en toute sincérité, si vous persistez encore une fois de plus, je vais vous bloquer. Parce que je tiens sincèrement au respect que je dois à mes auditeurs. Et s'il faut faire un choix, je préfère vous perdre une personne pour vraiment marquer mon respect vis-à-vis de mes auditeurs que je respecte beaucoup. Et donc, s'il vous plaît, ne faites plus ça. C'est vraiment important. Parce que quand je parle à mes auditeurs, je ne veux pas que quelqu'un vienne couper. Mousko. Effectivement, ce que tu dis, la sorcellerie n'est pas une mauvaise chose si on, quand on sait ce qu'on veut. Et donc, effectivement, je suis dans le noir, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais toi, je te mettrai dans l'obscurité, tu n'apprendras plus avec moi. Et donc, tu peux aller ailleurs. C'est aussi ça, la réalité. Ici, on est là pour faire travailler dans les têtes. Ici, on ouvre les esprits, comme disait quelqu'un. Ici, on pratique la maïeutique. On fait naître des idées à partir de l'esprit. On n'est pas là pour voir le visage de quelqu'un. Et donc, comme je le disais, chers auditeurs, passons à des choses sérieuses. Et tous ceux qui sont derrière l'émission, essayez de bloquer catégoriquement ces personnes-là qui n'ont rien à faire sur notre site. Parce qu'en réalité, l'éclaireur n'a pas besoin de vues. L'éclaireur n'a pas besoin de followers. L'éclaireur n'a que besoin que d'une seule chose, c'est d'apporter sa part de vérité et son efficacité aux éditeurs et à nos parents pour que chacun puisse être édifié. Et donc, chers auditeurs, et vous qui êtes derrière, vous savez ce que vous devrez faire. Si quelqu'un pense différemment, il peut appeler pour donner sa vision avec des arguments. Mais si c'est pour insulter, bloquer la personne, parce qu'il y a trop de personnes sérieuses ici, c'est vraiment très important. Et donc, comme je le disais, pour juger de la capacité ou bien de l'efficacité d'une stratégie, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'on gagne ou bien qu'est-ce que la personne qui impose cette stratégie gagne? Politiquement, que les frères Soro s'ajoutent à Ouattara, qu'est-ce que Ouattara gagne politiquement? Puisque ni Simon ni Soro n'ont une base électorale et c'est des personnes qui te suivent juste parce que vous êtes frères. Et donc, ça ne veut rien dire, ça ne pèse pas en politique. Et qu'ils soient libérés ou bien qu'ils se rapprochent de Ouattara, est-ce que Ouattara, en tant qu'économiste, ces gens-là peuvent lui apporter quelque chose que Ouattara n'a pas déjà? Et la réponse à toutes ces questions, c'est NON. Ça veut dire non. Et donc, ce que tu dis est absolument un mensonge qui ne tient pas, cher frère Soro. Cher frère Joe Dalton, Guillaume, il faut changer. On ne peut pas continuer dans le mensonge. C'est encore toi, Soro Guillaume, à travers l'ivrogne de Paris qui a incité la semaine dernière certaines personnes qui ont indirectement ou directement conduit à la mort de nos frères nigériens. La première vidéo dans laquelle vous incitiez les gens à la violence, cette vidéo existe encore sur les réseaux sociaux.
Et c'est à partir de cette donnée-là que certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom, ont fait l'erreur de pouvoir propager le message et on en est arrivé à des situations lamentables. Et donc, chaque fois que tu essaies de faire ça, Soro, nous comprenons ton désespoir. Nous comprenons ton désespoir. Nous savons aujourd'hui que tu es un homme affaibli. Nous savons aussi que tu es un homme aujourd'hui qui est en plein procès avec sa propre conscience. Et dans ton âme aujourd'hui, gît une peine incommensurable. Nous le savons. Mais tu peux te priver de mentir n'importe comment. Parce que quand on aura tout perdu, quand un individu a tout perdu, il peut encore se réserver le droit de maintenir sa dignité. Et tu me demanderas, mais qu'est-ce que c'est que la dignité? La dignité, je te l'explique, parce que tu ne la connais pas. Il faut qu'on t'explique. Quand tu mens, écrivez ça se fera. Soro, ce n'est pas bon. Ça te tue politiquement. Quand tu n'apprends pas à avoir un rapport sain avec la vérité, ça finit par détruire ton image. Et même aujourd'hui, les personnes qui te suivent, elles-mêmes disent qu'elles n'ont pas de crédibilité. Et même la malheureuse vidéo que tu avais faite où tu te présentais sur tes meilleurs jours d'un prince, d'un pacha, tu as vu l'arabe qui est sorti pour dire aux gens, est-ce que vous avez vu? Ce message-là, de façon visuelle, veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, nous sommes avec lui parce qu'on arrive à avoir notre pain, mais ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Et c'est encore ça que l'Union européenne t'a dit quand tu allais raconter des choses que tu ne maîtrisais pas. Devant toi-même, les gens t'ont dit, tu n'es pas sérieux de faire le parallèle entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Mais ça ne t'a pas encore interpellé. Tu as continué dans tes mensonges et dans tes affabulations. Et aujourd'hui, on en est à te dire que même tes propres frères aujourd'hui sont déçus de toi. Et donc, ça veut dire que ta politique, elle ne marche pas. Ça veut aussi dire que même tes propres frères, qui auraient pu être ton dernier soutien, aujourd'hui ont compris que tu es une misère morale. Tu es même, je dirais pire même, que la déchéance ou même le mot déchéance. Et donc, quand on est en face d'une telle réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naturellement changer. Et donc, c'est le seul conseil que nous pouvons te donner. Parce que tu t'es d'abord fait entourer par des personnes idiotes et souvent même plus sottes que toi. Et malheureusement, tu es le plus intelligent des idiots de ton groupe, mais tu ne sais pas que tu te fais à toi-même du mal et tu évolues sans stratégie. Parce que la violence, tu l'as exercée et tu as vu les limites de la violence. Et aujourd'hui, malheureusement, tu vas en venir au mensonge, à la manipulation, ça ne marchera pas. L'éclaireur et beaucoup d'autres personnes seront là pour anticiper sur les événements. Et voyez-vous, même le recrutement que vous êtes en train de faire depuis pratiquement un mois, je l'ai signalé et aujourd'hui je vais en parler publiquement. Le recrutement que vous êtes en train de faire en faisant penser ou même en disant certains, je ne donnerai pas certains détails. Chers tous, vous m'excusez, je ne donnerai pas certains détails. Mais sachez qu'ils étaient en train de faire des recrutements et je vais donner une seule petite partie. Et à la clé de ces recrutements-là, ceux qui acceptaient, on leur donnait une moto et on leur faisait des promesses de 100 000 francs par mois. Je ne dirai que la partie que j'ai envie de dire. Mais sachez que les autres que je ne dirai pas, vous savez que je sais. Et je ne resterai pas silencieux. Et on a déjà gâté votre plan. Que ce soit à l'ouest ou même que ce soit au nord, on a gâté votre plan. Et donc, selon nous, on va toujours gâter votre plan. Et donc, chers parents, chers auditeurs, je vais m'arrêter là et à la suite donner plus de détails. Si vous voyez quelque chose qui est inhabituel là où vous vous trouvez, signalez-le à l'éclaireur. Nous faisons remonter les informations aux bonnes personnes pour protéger les vies humaines. Nous ne nous en cachons pas. Et c'est pour cette raison-là que l'éclaireur n'a pas besoin de publicité. Je n'ai pas besoin de vivre de ça. Mais quand on sauve une vie, je fortifie mon champ spirituel. Je fortifie mon corps cosmique. Et c'est ça qui est important pour moi. Et je n'ai pas besoin d'argent, comme je le dis, pour faire ça. Quand je sauve une vie ou bien que j'éclaire des personnes, c'est la chose la plus importante pour moi. Et donc, ceux qui veulent me voir, apprêtez-vous avec une bague de mariage. Là, dès que vous me verrez, vous me mettez la bague au doigt. Et donc, comme tel n'est plus le cas aussi, souffrez que nous puissions faire notre émission, parce qu'ici, tout le monde est suffisamment intelligent et ce n'est pas un problème pour nous, ni les auditeurs. Et donc, nous allons passer directement à notre mère, Machata Blanc. Et donc, tout ce que nous avons dit, si vous avez compris, vous pourriez reposer des questions ou bien même ajouter ou bien même anticiper. C'est ça la valeur de notre émission. On ne vient pas ici pour s'amuser. C'est très important.
Et donc, je vais appeler notre mère et elle fera son éditorial et après, on va ouvrir la ligne pour les uns et les autres. Je vous remercie. Il y a Jean-Hugues Blanc qui nous salue et qui dit bonsoir éclaireur et bon retour. Monsieur Jean-Hugues, sachez que vous êtes humblement salué et c'est un plaisir que de vous avoir. Et je vous remercie infiniment et bien des choses aussi à toute la famille. Et nous allons essayer toujours de joindre notre mère avant de passer la parole aux uns aux autres. Oui, effectivement, il y a, je ne sais pas si c'est Aïcha qui parlait. Le téléphone de succès l'a trahi. Oui, effectivement, il y a certaines informations qu'on ne souhaiterait pas donner, mais il faut qu'elles passent par le cadre. Quand on veut de l'argent facilement et vite, on se laisse manipuler. Et une fois qu'on se laisse manipuler, il y a les prix, il y a le prix à payer. Et effectivement, ce que vous dites est très vrai. C'est des détails qui sont évidents et on ne peut pas condamner quelqu'un à partir de rien. Et donc, nous allons appeler la première personne qui est là. Et lorsque notre mère sera prête, elle pourra venir à n'importe quel moment. C'est sa maison. Et donc, on va commencer avec la première personne qui avait placé ses appels. Et donc, OK. Je dis bonsoir à l'emmerdeur au travail. Je vous dis bonsoir. Et certainement, je vous dis encore bonsoir. Et vous comprenez mon message quand je vous dis bonsoir 3 fois. OK. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, comment allez-vous? Okay. On a quelques difficultés à vous entendre correctement. Ok, ça va. Ok, on vous écoute. Pardon? Pardon? Allô? Allô? Non, mais nous ne vous entendons pas et nous sommes en plein direct actuellement. OK. Mais vous voyez, vous parlez à près de 5 à 6 000 personnes et ces personnes ne vous entendent pas correctement. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Voilà. Il n'y a pas de... Posez d'abord la première question, on va finir avec ça. Et si vous êtes satisfait, on pose la deuxième question. Mais si vous n'êtes pas satisfait, vous dites la partie qui ne vous a pas satisfait et on va essayer de donner plus de détails. Concerne le Mali. Parce que l'information que nous avons, c'est que le président et le ministre sont aux arrêts, puisqu'il y a les familles là-bas. Sérieusement, sérieusement, nous ne vous entendons pas. Sérieusement, nous ne vous entendons pas. Prenez la disposition pour revenir, s'il vous plaît. Prenez la disposition pour revenir. C'est vraiment difficile. Donc, chers auditeurs, la connexion peut être un problème, mais quand on vous entend mal, sincèrement, ce n'est pas évident. Bonsoir, Madame Blanc. Bonsoir, monsieur éclaireur. Franchement, je suis désolée. Non, il n'y a pas de Je problème. suis vraiment désolée. Non, Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas à vous excuser. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes oui, possible, c'est comme le la disait technique. Pangloss. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, permettez-moi de magnifier ce lien qui peut exister entre deux êtres et qui allège les déboires de la vie par moment pour la rendre plus supportable. Je vais évoquer ce soir l'amitié. L'amitié, c'est ce lien divin qui existe et qui lie deux êtres et qui pousse à s'abandonner à une autre personne au nom de la confiance.
Il est courant qu'une amie sache de vous ce que votre propre sœur de sang ignore. Et c'est cette amie est celle qui croit en vous, quoi qu'il advienne. Ce qui est le plus important dans l'amitié, c'est la loyauté, l'engagement, le soutien et la sincérité entre amis. Cela signifie que le véritable ami reste au droit. Il est la promesse du meilleur de lui-même. Il vous porte comme un socle. Il est de bonne foi et demeure franc vis-à-vis de vous. Il est dépourvu de tout ce qui est abject, d'infâme et de mesquin. L'ami, c'est celui qui vous tire vers le haut. L'ami, c'est celui qui prend fait et cause pour vous, en mettant sa propre vie parfois en parenthèse pour la vôtre. L'ami, c'est celui qui vous donne un rein ou un bout de foie pour vous sauver la vie. En temps difficile, c'est l'ami qui vous assure le gîte et le couvert. L'amitié s'apparente aussi, même parfois, à ce sacré lien de la fraternité qui existe dans deux êtres nés de la même génitrice. Ce qui fait dire qu'une femme ne donne pas naissance à tous ses enfants. Sachons choisir nos amis car un ami est ce frère ou cette sœur qui vous accepte tel que vous êtes et dont nous acceptons les critiques. Celui qui a un bon ami est très chanceux et il a de l'or entre les mains. Merci beaucoup, éclaireur. S'il vous plaît, vous ne quittez pas. Oui. Chez nous en Afrique, on dit que l'amitié est sacrée. Oui, très Maintenant, bien. Maintenant, lorsque nous prenons le mot amitié, il y a d'abord âme qui veut dire A-M-E. Et puis oui. Initié. Donc, deux oui. âmes qui s'initient les unes aux autres, c'est ce qui est véritablement oui. l'amitié. Tout à fait. Et donc, vous voyez combien de fois vous touchez encore un sujet qui est extrêmement important. Oui. Aujourd'hui, les uns et les autres pensent que être ami, c'est être ami dans le mal. C'est être ami. Non, pas du tout. Oui. Sur le mauvais chemin. Alors que l'amitié est quelque chose de sacré qui doit aller au-delà des générations. Et au-delà de nos personnes humaines. Et c'est cette grande qualité oui, oui, morale oui. que vous venez de nous dire. Et vraiment, c'est oui. à nous de vous dire merci. Et à Aliou Koulibaly qui vous dit ceci. Très belle sortie sur l'amitié, très chère oui. madame. Et le chef de classe oui. vous a noté 7,5 sur 10. Et... Ok, et j'en profite pour saluer mon amie à moi, qui est ma soeur de cœur, qui s'appelle Fiona Kora. Okay. Elle est sur le direct. Il n'y a pas de problème. Et par vous aussi, merci je salue beaucoup. Aussi toutes nos mères. Parce que d'aucuns disent que c'est l'émission de nos mères. Et ça, nous en sommes très fiers parce que là où vous êtes, nous sommes très heureux. Oui. Ok. Voilà. Merci beaucoup, éclaireur. C'est Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Et je salue Jean-Hugues. Jean-Hugues va bien. Ok. On s'est déjà parlé ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. oui. Merci. Okay. Okay. Et donc, chers frères et sœurs, merci pour tous les compliments que vous faites à l'égard de notre mère. C'est vraiment très touchant et c'est vraiment extrêmement bon. Et c'est de ça que nous avons besoin. La fraternité, l'unité, l'amour et la cordialité. Et avec ça, nous sommes différents de tous les autres. Et en plus de cela, en supplément, nous nous éduquons intellectuellement. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse exister. Et nous allons revenir encore à un nouvel auditeur, si cette personne est bien là, et prendre ses avis ou ses questions. Il y a Swallow qui dit infiniment merci à vous, Maman Blanc. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous garde longtemps, Inch'Allah. Ça, c'est vraiment très intéressant et très gentil. Et il y a Binatienza qui dit un grand merci au chef de classe. Et donc, chers auditeurs, le décor, il est lancé. Essayez d'appeler dès maintenant parce que vous allez voir qu'à la dernière minute, comme je l'ai dit, tous ceux qui veulent appeler doivent pouvoir appeler dans un espace de 1 heure du temps. Et après, donc, nous allons conclure directement. Et nous en avons exactement pour 1 heure du temps. Et donc, c'est maintenant que vous devez poser les questions parce que dans les 1 heure du temps restant, 10 minutes avant la fin, je serai obligé de bloquer et de pouvoir poser la question. Et de pouvoir poser, par exemple, la conclusion. Et donc, malheureusement, lui n'est pas là. Et donc, j'espère que ceux qui ont des avis à donner, vous pouvez directement intervenir. Et on va passer à cela. Celui qui avait appelé Timathio, j'ai essayé de le rappeler, ça ne passe pas.
Doumbia Chouaib aussi. Malheureusement, il y a un problème qui fait qu'on ne peut pas l'entendre correctement. Je vais encore essayer d'appeler une seconde fois. Peut-être que cette fois-ci, tout sera au mieux. Allô? Non, mais le problème, c'est que c'est nous qui ne vous entendons pas. Pardon? Oui, certainement. Oui, certainement. Donc, essayez de poser votre question et on verra bien si on peut répondre. La première question concernant l'information que nous avons, il paraît que les paysans sont aux arrêts pendant la Sincèrement, tournée, mais sincèrement, est-ce qu'on peut on n'arrive pas à vous détruire? on n'arrive pas à vous entendre. La voix est vraiment difficile à entendre. C'est ma question concernant le Mali. L'information que nous avons, il paraît que les présidents et les premiers ministres sont aux arrêts. On vient d'appeler le gouvernement pour renforcer la sécurité à la frontière. OK. Et qui vous a donné cette information-là? Qui vous a donné l'information? OK. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu l'information. Je ne peux ni douter ni la prendre. Mais si elle était vraie, ce que je peux vous assurer, c'est que la Côte d'Ivoire a tout le dispositif qu'il faut pour se protéger. Et donc, vous n'avez pas à avoir peur de cela. Et les autorités ne peuvent pas voir une situation se dégrader et rester là sans rien faire. Et donc, soyez rassurés, tous les dispositifs sont pris à ce sujet. C'est la deuxième question. Le lit et la Genèse du Côte d'Ivoire. Selon ce que nous voyons, est-ce qu'ils font pas exprès encourager les militaires et la CP pour que les gens soutiennent les résidents? On ne vous entend pas correctement. Puis, deuxième question, ça concerne le ministre de la Genèse, M. Mamadou Touré. Oui. Et que le président met à sa disposition, quand nous observons, nous pensons qu'ils sont en train de décourager les militaires et pour que les gens soutiennent les résidents. Monsieur, sincèrement, j'aurais bien voulu vous aider, mais je n'arrive moi-même personnellement pas à entendre ce que vous dites. Il y a des échos, il y a une mauvaise qualité du son. Je serai obligé de vous laisser. Pas de Voilà, soucis. Mais vraiment. faut appeler quoi? Non, je ne vais plus vous appeler parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Prenez toutes les dispositions de votre côté puisque vous m'entendez correctement et donc c'est à vous de voir l'erreur qu'il existe. Voilà. Et donc prenez les dispositions et vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Ok, vous passez une très bonne soirée. Vraiment, j'aurais voulu bien répondre, mais on n'entend pas, sincèrement. On n'arrive pas à entendre et ce n'est pas facile. Et donc, chers auditeurs, essayez, si vous avez des questions, de les poser rapidement, parce que comme je le disais, n'attendez pas la dernière seconde, parce qu'en ce moment, on ne pourra pas vous répondre. Et donc, c'est maintenant, et comme je l'ai dit, nous aurons pour 1 heure du temps. Et donc, on ne va pas ajouter ou enlever, même si c'est 2 ou 3 personnes qu'on a, on fera avec. Et le temps que vous me permettez de parler, moi, j'ai déjà planté le décor. Et donc, si vous avez des questions ou des additifs, faites-le rapidement, ou bien s'il n'y en a pas, on va essayer de clore l'émission peut-être dans les 30 minutes qui suivent, comme c'était déjà un long week-end, pour que les gens puissent se reposer. Et donc, je ne vois peut-être pas trop de questions, peut-être du fait qu'on a commencé un peu tard. Mais ceux qui ont certainement des questions, vous pouvez déjà les poser rapidement. Et donc, comme je l'ai dit, quelle que soit la quantité des personnes qui vont appeler à la dernière minute, nous ne pourrons pas les prendre. Et la raison, elle est connue, parce que les questions n'auront pas été posées à temps. Donc, merci à chacun. Donc, en attendant que quelqu'un ou bien que des personnes se décident à poser des questions, je vais lire quelques commentaires. Il y a Fofana Sendo qui dit bonjour. Il confirme que le président du Mali. Allô? Bon, oui, allô, bonsoir. Hey, bonsoir, monsieur le Oui, Cléon. comment Comment allez-vous? allez-vous? Oui, très bien. Ah, ok, Dieu merci.
Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct, oui. Ah, ok. Bon, je salue toute la classe. Oui. Et félicitations à toi et encore une fois, beaucoup de courage. Et merci infiniment pour tout ce que vous faites. Et au fait, je vous ai envoyé une vidéo sur votre Messenger là. Je sais pas si vous avez vu. Bon, pas encore, parce que C'est l'éclairage, concernant un l'éclair. imam. Voilà, c'est concernant un imam qui avait fait un prêche concernant chose, comment on appelle ouais, le prix de certains denrées sur le marché. Oui. Maintenant, il disait comme ça que souvent les autorités prennent des décisions concernant l'augmentation des prix bon, il parlait de la viande de bœuf. Voilà, que le ministère du Commerce avait fait un communiqué. Maintenant, le prix que le ministère du Commerce a donné, quand il menait ses enquêtes sur le marché, vraiment, les gens avaient doublé ce prix. Ils avaient doublé le prix qui a été donné par le ministère du Commerce. Donc, moi, je voulais passer par votre canal pour vraiment toucher de qui de droit, celui qui peut vraiment intervenir, c'est-à-dire s'il y a des contrôleurs, quoi. Voilà, qui peut vraiment faire leur effort sur ce côté-là. OK, donc c'est ça votre préoccupation? Voilà, parce que vraiment le côté, ça nous préoccupe beaucoup. C'est-à-dire, s'il y a des contrôleurs de prix, vraiment, il faut qu'ils fassent leur travail. Parce que, avec à l'allure où on va là, vraiment, ça. Voilà, nous les démunis là, ça, vraiment, ça risque de peser sur nous. Ok, je crois que votre préoccupation, elle a été comprise. Mais vous voyez que les détails que Voilà. vous donnez, il y a beaucoup de choses qui manquent. Par exemple, moi, je n'ai pas suivi la vidéo. Mais en même temps, je ne sais pas ce que le Ah. monsieur a dit. On va plus revenir dessus puisque vous avez 5 minutes et on a déjà utilisé 2 minutes 38 secondes. Ce que je peux vous dire, si vous aviez, le prix de la viande coûte combien? L'imam a dit que ça devait coûter combien? Selon lui, ses enquêtes. Il a dit non, qu'il disait comme ça, bon, que ça coûtait 2600, je crois, Ok. 2700, Maintenant, 700, comme ça. Maintenant que. quel est le prix que le gouvernement a décrété? Voilà, c'est ce prix-là que le gouvernement a décrété, si je ne me trompe pas. Ok. Maintenant, tu dis aussi que le même prix, c'est ce que le gouvernement a dit et que l'imam est parti vérifier si j'étais bien compris, c'est le même prix qui est sur le marché. Il a envoyé des gens aller faire des achats, Oui. c'est-à-dire selon lui-même Ok. ses propres enquêtes, quoi. Il a envoyé des personnes. Ces gens-là disent que le prix, selon eux, leur enquête là, c'est combien? Voilà, il dit que ça s'élève à une soirée de 3 000 et quelques comme ça. Ok. Et donc, ça veut dire que Sur le marché, voilà. si les faits sont vérifiés, effectivement, Et l'interpellation que vous lancez, même si c'est dans le cadre social, effectivement, il faut d'abord vérifier et on doit mettre des enquêteurs. Mais ne vous tenez pas à cela. Si quelqu'un augmente le prix, vous pouvez directement appeler le ministère du Commerce pour dire, je suis venu chez l'éclaireur dans tel marché, tel jour, voilà le prix qu'il m'a donné. Ou bien, si vous-même, vous voulez, vous faites votre propre enquête. Et vous prenez, vous enregistrez et vous envoyez, on va poster ça. Ok, il n'y a pas de souci. Là, Au on fait, aura il y a au cru moins. que vous avez vu. Il y a cru que vous avez vu la vidéo. Voilà pourquoi je vous ai appelé pour une chose. Parce Non, qu'il dit qu'il a découpé. je n'ai pas pu regarder, mais on ne peut pas discuter. Tout ce qui concerne quand même le coût de la vie, ça concerne chacun de nous. Et si le gouvernement dit effectivement que le prix du kilo, c'est 2600, personne ne doit violer la règle. Et ça, nous-mêmes, nous devrons aider le gouvernement à combattre cette injustice-là. Voilà. Voilà, Donc, c'est votre ça. interpellation, elle est la bienvenue. Et c'est nous qui vous disons merci. Oh, merci, Il n'y merci a à vous, pas de par problème. exemple. Vous passez une très. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, donc avec. Non, et frère, écoutez-moi. Ne pensez pas que ceux qui parlent dans les gros dictionnaires sont mieux que vous. Vous venez à travers ce que vous venez de faire, vous êtes en train de sauver des vies. Parce que les 500 francs ou même les 400 francs qui sont ajoutés là, ça va permettre à des gens de réaliser leur rêve avec cela ou même de changer des vies. Est-ce que tu as besoin Effectivement, de parler un français académique pour pouvoir faire ça? oui, c'est vrai. Et la volonté que tu as là, c'est la plus grande âme que tu as.
et donc tu as fait une grande action et c'est ce qui est important. Donc, faut pas te sous-estimer. Ok, y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, vous passez une très bonne soirée. Et bonne émission à toi. Merci et beaucoup. À demain, Charles. Ok, merci beaucoup. Okay. Et donc, chers auditeurs, l'appel est lancé. Vous vérifiez, chacun aujourd'hui a un enregistreur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Père. Comment allez-vous? Oui, il va bien. Ah, ok. Donc, vous avez la parole. Excusez-moi, il voulait savoir, est-ce que vous avez, il y a une interview que Afingessa a eue à faire sur Live TV, je ne sais pas si vous avez vu, où il a mentionné que... Il a été manipulé par ses couleurs dans les positions. J'aimerais savoir quelle est votre interprétation, quelle est l'interprétation que vous faites de ce qu'il a dit, si vous avez suivi la vidéo. Sincèrement, c'est ce que je disais aujourd'hui à l'entame de l'émission. Les opposants ivoiriens sont les incorrigibles. Afi ne dira pas aussi que c'est la première fois qu'il est manipulé. Est-ce qu'au sein du FPI, il n'a pas été giflé par la femme de Laurent Gbagbo? C'est un exemple que je prends. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Est-ce que Laurent Gbagbo, même durant toute sa carrière, n'a pas eu à manipuler Afingessa? Et donc, c'est parce qu'il était un homme manipulable qu'il a été manipulé au bon moins au bon endroit. On savait que c'est l'homme qu'on pouvait prendre et se servir de lui. C'est l'homme qui était malléable, manipulable qu'on prend pour manipuler. Et chers auditeurs, faites beaucoup attention. Sur les réseaux sociaux, je vois certains qui se font appeler influenceurs ou influenceuses. Je profite de ça pour dire quelque chose. Un être humain bien constitué, un être humain qui sait qui il est, ne se laisse jamais influencer par quelqu'un. On peut apprendre quelque chose avec quelqu'un, mais laisser le contrôle de votre existence à quelqu'un, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Tous ceux qui font de ce métier-là, ils sont en train de vous conduire dans des zones lugubres et ils se font de l'argent sur vous. C'est ce que je voulais dire. Mais quand on est naturellement, malheureusement faible d'esprit, effectivement, on se laisse manipuler et on pense que cette justification-là peut servir d'argument. On se souvient qu'au sein du FPI, Afi était manipulé et manipulable. On se souvient que dans l'opposition, c'est parce que c'était l'homme qu'on pouvait prendre pour être manipulé qu'il a été manipulé. Et donc ça, pour quelqu'un qui a un esprit lucide, c'est un argument qui ne tient pas. Ça veut dire que même si c'est demain ou après-demain, il sera encore manipulé. Parce qu'en réalité, c'est des personnes... Si Afi ne veut plus être manipulé, il doit être capable de dire au FPI, c'est le gouvernement qui m'a donné l'autorité et c'est moi le FPI légal et c'est moi que Gbagbo doit suivre. Mais quand vous voyez le même Afi dire que lorsque Gbagbo viendrait, que lui va aller prendre la position que Gbagbo va lui donner à le FPI, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis prêt encore à me laisser être manipulé. Et donc, c'est le langage de quelqu'un qui n'est pas constant. C'est le langage de personnes... qui n'ont pas de carapace intérieure, voilà, et qui n'ont pas de personnalité, voilà, intérieure, et qui n'ont pas de personnalité simplement. Et donc, de telles personnes, aujourd'hui, il veut essayer, et c'est la stratégie globale de l'opposition, essayer de donner des langages pour distraire le parti au pouvoir et essayer de détruire le parti au pouvoir de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Pour ceux qui connaissent l'étude de la biologie humaine, lorsque le globule blanc veut le détruire, des microbes dans le corps, d'abord, ils font un cercle et ils laissent le microbe à l'intérieur et ils le détruisent de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, c'est ça un peu la phagocytose. Et donc, c'est cette même stratégie-là que l'opposition veut faire. Mais ce qui est intéressant, nous savons déjà comment ils pensent et ils ne sont pas plus intelligents que le président Alassane Ouattara. Et donc, le président voit tout cela. Mais c'est des gens, à la limite, si... Le fait de ne pas être violent, le fait de ne pas être promoteur de coup d'État, ça c'est déjà une très grande chose. Il faut qu'ils quittent dans cette mentalité-là. Et si tel est le cas, ils sont les bienvenus à ne plus être des abonnés au coup d'État ou à se laisser. Parce que ce qu'ils disent, c'est vrai. Soro Guillaume les a tous manipulés. Soro Guillaume leur a tous fait croire que lui, ce coup d'État, rien au monde ne pourra faire que ce coup d'État là-bas échoue. Et c'est pourquoi Mabri aussi était arrogant. Mabri disait, vous verrez après le 31. Mabri a dit ça. Et donc, c'est des gens à ne pas prendre au sérieux. C'est des esprits faibles qui se laissent manipuler. Et ça, on ne peut rien contre ça. C'est ce que j'aimerais dire. Ok, c'était là ma question. Je reviendrai. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.
Et donc, chers auditeurs, nous allons accorder exclusivement 5 minutes à toutes les personnes afin de pouvoir véritablement finir dans le temps. Et donc, je vous remercie de vouloir rester dans le canevas des 5 minutes et vous exprimer afin qu'on soit vraiment beaucoup plus efficace dans le temps. Puisqu'il y a eu beaucoup de temps où les gens n'ont pas appelé et tout ça, c'était déjà c'est un manque à gagner. Et malheureusement, on va couper ça dans le temps des auditeurs pour vraiment limiter les choses. Allô, Oui. bonsoir éclaireur. Bonsoir, Madame Marguerite. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Oui. Ça va vous aussi? Oui, ça Ça fait va. un petit bail. Excusez-moi, j'étais un peu débordé par le travail. En Oui. fait, je travaillais, finissais tard. C'est Donc, fait. Il n'y a pas de problème. du coup, je suis un peu off aujourd'hui. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'intervienne. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que, bon, j'espère que mon intervention, ma préoccupation ne va pas dans le sens contraire des thèmes de ce soir. De quoi souhaitez-vous parler? En fait, je voulais un peu rebondir, comme j'ai pas eu quand même, j'ai pas été disponible à écouter l'émission du vendredi. Je voulais rebondir un peu sur les grognes des militants qui, je suppose, montent de plus en plus, sauf si tout ça s'est atténué maintenant. Je sais pas Bon, vous trop. pouvez donner votre avis, puisque ça fait partie même de la vie du parti. Donc, vous pouvez donner votre avis Voilà. là-dessus. Oui. En fait, il y a un intervenant qui était beaucoup, disons, qui défendait, enfin, qui n'était pas de l'avis de tous, comme quoi il était quand même assez contre la grogne. Et à cela, je crois qu'il trouvait que les militants en faisaient un peu trop. Alors moi, je voulais quand même l'interpeller. Et lui dire que, enfin, par rapport à ce que j'ai compris, il est sur Abidjan, donc lui, il sait plus que tout le monde que tout va bien, que les militants, ils grognent trop. Donc, de ce fait, il ne devrait pas avoir de prise en compte de leurs cris et qu'on devrait les laisser sans rien faire. Donc, je pense que là, il ne nous rend pas les choses faciles. Et puis quand même, tu vois, les retombées de ça, de son attitude, quand même, je pense, peuvent nous coûter. Si on laisse un cas comme ça à ne rien faire, je crois que les difficultés, les conséquences, on voit quand même, sont devant. Donc, voilà, je voulais essayer de l'interpeller un peu pour dire que c'est pas bien. Et moi, ce que je propose quand même, c'est qu'on s'occupe de ces gens-là. Et je me dis, par exemple, que nous qui sommes ici, qui avons un peu plus de chance, enfin, pour nous qui avons un peu plus de chance, pourquoi ne pas essayer de voir comment on peut réorganiser les bases des militants, où on va quand même désigner on va dire quoi? On va désigner des personnes conductrices et avec quand même une qualité intellectuelle qui seront quand même menées enfin, au sein du parti, enfin des bancs, des réunions qui vont dans le sens de discussions, de projets de société, des choses comme ça, ne serait-ce que pour développer et puis tirer, à trouver quand même. On va dire faire ressortir le potentiel de ces jeunes gens parce qu'ils méritent quand même qu'on les assiste parce que s'il faut reconnaître quand même que c'est des gens qui n'ont pas quand même eu la chance d'avoir des instructions, ils ont pas de fondation et tout ça, donc ils ont vraiment besoin qu'on les aide. Et en les aidant, c'est aussi une forme d'apporter quelque chose. C'est une forme d'améliorer notre société. Et les laisser comme ça n'est pas la solution. Partons d'un simple, comment dire ça? Partons d'un simple principe que s'il y a un problème et qu'on ne le traite pas, les conséquences peuvent être faillibles. Alors que si on voit le problème et qu'on le traite, on a la tranquillité, enfin, et qu'on est proactif, je veux dire, on a la tranquillité de l'avoir résolu, et puis ainsi de suite. Donc, c'est pas une bonne méthode
que de ne pas traiter les problèmes quand on les voit, bien au contraire. Alors, je voudrais quand même qu'on essaie de se pencher sur cette question et puis la traiter une bonne fois pour toutes. Ces jeunes gens ont besoin de nous. Ne les laissons pas sans rien faire. Ce serait que, une bombe à retardement, alors que on a en face des charognards. Ils sont, on va dire, il faut reconnaître que c'est ceux-là qui couvrent nos arrières. Quand il y a des difficultés et autres, tout ça, c'est eux qui sont les premiers à sortir, c'est eux qui sont les premiers à défendre, c'est eux qui sont les premiers à se battre. Donc, franchement, il faut le leur reconnaître et faire ce qui leur apporte quand même l'essentiel. Parce que je trouve aussi que ce qu'on va leur apporter n'est pas, ce n'est rien à côté de ce qu'on pourrait perdre si on ne s'occupe pas d'eux. Donc, il y a quelque chose qui. Il y a l'enjeu est très important et il faut pas, il faut le voir sous cet angle-là. En fait, c'est sur ça que je voulais rebondir. Et puis, voilà. C'est nous qui vous disons extrêmement merci. Et le sujet que vous évoquez est très important dans la mesure où, comme disait Yann, un parti, c'est comme il faut que le sommet fasse le retour à la base et que la base aussi soit le soutien sur lequel le sommet peut compter. Et donc, c'est une relation à deux sens. Et donc, c'est vraiment important qu'on puisse aider. Et le président même le dit dans ses discours, il dit, aidons les plus défavorisés parmi nous. Ce n'est pas forcément le désavantage économique, mais ça part même intellectuellement, physiquement et sous beaucoup d'aspects. Et donc, si vous avez été nanti et que vous avez plus de possibilités que quelqu'un d'autre, naturellement, il est de votre devoir de pouvoir venir en aide à cette personne-là. C'est vraiment une très bonne chose. Et donc, nous vous disons merci d'être intervenu. Et je crois que le message a été largement entendu. D'accord, mais pensez-vous que, enfin, selon ma petite suggestion, est-ce qu'on pourrait voir comment on peut les approcher et trouver, mettre un chef qui va, ne serait-ce que nous, à partir d'ici, leur envoyer les connaissances qu'on a, que celui-là, à son tour, va leur prodiguer et puis ils vont se développer à partir de là. Je pense que c'est les jeunes qui seront quand même heureux de sortir de ce qu'ils ont toujours été, enfin, toujours connu et puis découvrir d'autres choses de la vie, d'autres bons aspects de la vie. Donc, Effectivement. ils ont juste besoin qu'on les coache, qu'on les, voilà, qu'on les assiste. Mais madame, Donc, je pense voyez-vous, que. moi je fais déjà ce travail-là, peut-être sans le dire au grand jour, mais je fais D'accord. individuellement ce que je peux. Et je crois que les personnes de bonne volonté, il en existe autant, mais il suffit de les encadrer et de pouvoir structurer les choses comme il faut. Et vous verrez que les choses iraient dans le bon sens. Et donc, c'est à là qu'on en est. En espérant bien que les autorités vont nous prêter une oreille attentive et permettre qu'on puisse les aider sur ce terrain-là. D'accord, espérons. Bon, mais merci, éclaireur. Je vous Ah, laisse poursuivre l'émission. il n'y a pas de Merci de problème. m'avoir C'est moi qui vous écouté. dis merci et surtout, merci. Merci. Alors, Allô? oui, bonsoir monsieur. D'accord. S'il vous plaît, on vous le dit à chaque fois, éteignez vos appareils et sincèrement, ça devient un peu récurrent. Et donc, dès que ça sera le cas, on va directement couper et passer aux personnes qui sincèrement pourront prendre ces dispositions-là. On ne va pas chaque fois vraiment revenir sur ces détails-là. Et donc, on va passer à l'auditeur prochain. Allô? Bonsoir, monsieur. On sait que. Oui, Non, vous m'avez déjà appelé. Moi, j'ai pu ah. rappeler derrière. J'ai fini Ah, hier ok, il n'y soir. a pas de problème. Merci beaucoup.
Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien chez vous. Oui, je vais très bien. Donc ce soir, de façon exceptionnelle, on donne 5 minutes à chacun pour être vraiment efficace. Donc vous avez vos 5 minutes, oui. D'abord, pour avant d'entrer le jeu, je salue d'abord la classe. À vous-même, parce que sincèrement, je n'avais pas pensé que l'émission aurait lieu aujourd'hui, parce que je viens de prendre ça en cours. Oui, effectivement. Voilà, donc je ne sais pas le thème qui a été évoqué, je ne sais pas où, bien si c'est une libre antenne. Bon, là, je ne sais pas. Non, c'est le thème. On a parlé d'abord du fait que les gens commencent à revenir à la réalité vis-à-vis des violences qui ont eu lieu dans la semaine passée. Et après cela, on a parlé de Anaki Koumina qui a décidé de revenir au RHDP. Et après cela, on a parlé aussi en faisant des analyses sur la roubladise de Sorogium qui dit que Ouattara veut couper le lien de sang entre lui et ses frères. Et voilà autant de sujets qu'on a évoqués et on a donné nos analyses. Et surtout, Oulaye, le parrain des escadrons des Lima FS, c'est celui-là même qui a payé les Libériens, les Bob Marley pour tuer nos parents de l'Ouest. Qui vient de dire que la libération de Gbagbo fait pleurer certaines personnes, c'est-à-dire les victimes, et que eux, ils s'en foutent royalement. Et donc, on a aussi analysé ces thèmes-là. Oui, c'est ça. Voilà, donc, comme pour dire aux victimes D'accord. que ces personnes ne seront jamais des gens qui pourront prendre conscience de la douleur de l'autre. Ils n'ont pas d'anti, ils n'ont pas de, d'anti, comment dirais-je, d'empathie. Voilà. Y a pas de problème. J'ai vu, bon, je tombe directement sur le premier sujet qui concerne les violences qui sont passées entre les Ivoiriens et les Haoussa. Et il faut dire que après ces événements, il y a eu la ministre Kandia Camara, accompagnée des ministres Alcide Djédié, Miss Belmone Dogo, plus le ministre de l'Intérieur, le ministre nigérien de l'Intérieur, qui ont effectué le déplacement pour venir à Bobo. Hier, ils ont eu une rencontre avec les populations autochtones et les Nigériens vivant à Bobo. Il faut dire que la première rencontre s'est passée à la mairie. Cette rencontre a eu une oreille attentive de la part des populations. Et après, la seconde rencontre s'est déroulée à Bobo, à Nador, où il y a beaucoup de Nigériens dans ce quartier. Et après les rencontres, la délégation a fait un peu le tour de quelques gabadromes pour assurer les jeunes Nigériens qui sont détenteurs de ces gabadromes qu'ils peuvent travailler tranquillement et que désormais cette situation était. Moi, de cette réunion, il y a eu, nous, en tant que jeunes du RIDP, leader d'opinion, nous avons organisé des tournées dans tout Abobo. Il faut dire qu'Abobo est divisé au niveau du RIDP, Abobo est divisé en 12 zones. Nous avons initié des tournées pour sensibiliser les populations que cette situation ne doit plus se reproduire. Le Niger et la Côte d'Ivoire ont des liens très étroits qui datent depuis les années 60. Faut dire aussi que après cela, nous avons aussi sensibilisé la population ce qui concerne la situation de l'eau et de l'électricité. Nous leur avons surtout demandé d'être patients et que des solutions seront trouvées d'ici peu. Et que ce n'était pas la peine, parce que nous avons remarqué aussi qu'il y a certaines personnes malveillantes qui s'adonnent à des actes vraiment pas clément. Vous imaginez le clair. Il y a des personnes qui viennent, qui coupent carrément les canalisations pour pouvoir avoir de l'eau. Alors que quand vous coupez les canalisations pour avoir de l'eau, vous êtes en train d'empirer la situation, vous n'arrangez pas la population. Donc
nous leur avons fait comprendre que ce n'était pas bien et qu'ils attendent des solutions seront trouvées au problème de l'eau et de l'électricité. Il y a un autre point aussi que j'aimerais souligner ce soir. Faut dire que à la création du RHDP en 2018, il y a eu ce qu'on appelle opération immilitant qui consistait à faire inscrire pour, le maximum de militants adhérés au parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était convenu que vous venez vous inscrire ici, la plateforme de e-militants qui ensuite, après l'inscription, vous devez avoir votre carte militant RHDP. Et l'éclairage, depuis que nous avons fait cette opération, il faut dire que nous n'avons pas reçu. Les cartes. Ça veut dire qu'il montre militant. Puisque c'est la carte qui prouve que tu es militant et tu es parti. Donc, donc nous c'était un peu ça. Ok. Et maintenant après ça je vais saluer notre maman qui vient de parler. Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Chers auditeurs, ne nous en tenez pas à rigueur, il y a les caprices de la technologie qui font qu'il y a des difficultés souvent d'entendre. Allô? Oui? Allô? Oui? Vous m'entendez maintenant? Oui, ça va maintenant. Voilà, donc j'étais en train de parler de la carte militaire de e-militant. Voilà, donc nous avons fait l'inscription pour avoir les cartes militaires et la DP. Mais je vous assure, jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de cadre. Donc, ça voudrait dire que présentement, nous ne sommes pas des militants RHDP, et plutôt, nous sommes des sympathisants. Puisque quand tu adhères à un parti politique, c'est la carte militante qui prouve que. Essayez d'être un peu efficace dans le temps, parce que vous avez déjà dépassé les. Voilà. Vous êtes à 7 minutes 27. Essayez d'être un peu efficace pour que les autres. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, j'aimerais saluer aussi la maman qui vient de parler de s'occuper des militants, puisque nous le parlons tous les jours. Je pense que les autorités vont prendre ce problème à bras le corps. Voilà, et ce qui concerne Afingessa et les autres là, je pense que là, ça c'est leur cuisine interne, mais ce que nous savons, c'est que nous sommes préparés à d'éventuelles choses, comme on appelle, et problèmes. Donc je m'arrête là, comme le temps est un peu court là, donc je m'arrête là. Il n'y a pas de problème, c'est nous qui vous disons merci. C'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. Et vous passez une très bonne soirée. Ok, merci. Allô? Allô, Cléro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Donc, vous êtes en direct actuellement et on vous écoute. Allô? Oui, allô? On vous entend bien et vous êtes en direct et on vous écoute. D'accord. D'accord. Je dis bonsoir à toute la classe et puis bonsoir à notre guide éclaireur. Bon, en fait, je viens... je suis à la place pour que vous m'informiez de quelque chose. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. C'était par rapport à nos opposants au FPI. C'est que tous les différents pays savent que nos opposants, ce ne sont pas des gens cohérents. Et puis, ils commettent tout le temps des meurtres. Mais moi, je comprends pas pourquoi on n'est pas aussi dur avec eux pour indiquer ça. Et à chaque fois, il faut qu'on passe par des meurtres pour qu'on puisse parler de réconciliation. Mais ceux qui commettent ça, on les connaît. On les connaît. Mais comme si bien dit, c'est que ils ne vont jamais ça, ils vont changer leur manière de s'asseoir. Mais pourquoi ne pas tuer avec eux et même pas éclairer?
Ce que je peux vous dire, comme l'a dit le président, c'est que le temps de la rigueur est venu. Voilà, j'en ai fini. Voilà. Et si vous avez vu qu'il y a une cyber militante RHDP qui a été condamnée, je crois que maintenant le RHDP ou le pouvoir en place, que certains accusaient d'être là pour créer une justice des vainqueurs, n'aura plus de raison de ne pas pouvoir frapper fort du côté des opposants. Mais sachez aussi une chose, la justice prend son temps pour bien analyser les faits. Et donc nous, peut-être, parce qu'on a été les victimes, on peut être souvent beaucoup plus pressé, mais laissons la justice faire son travail. Et c'est après, si on n'est pas satisfait des résultats, qu'on pourra véritablement se plaindre et dire que le travail n'a pas été fait. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la chose dans un premier temps. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour la posture que le président ou même le gouvernement a pris, en essayant de mettre en difficulté toutes les personnes qui vont prêcher la haine ou conduire les populations dans le danger, je crois qu'il n'y a plus de, il n'y a plus de limite à se faire. Tout le monde peut se retrouver devant la justice et être condamné pour 5 ou 10 ans. Ça, c'est déjà un bon signal qu'il faut continuer dans tous les camps. Pour que le langage de la haine et du désordre puisse cesser dans le pays, c'est vraiment très important. Vous avez d'autres questions? Ah ok, vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup. Et passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, Éclair. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Oui, bien, et vous? Oui, ça va bien. Vraiment, désolé, moi, apparaît un problème, voilà pourquoi tu m'appelles, je ne vois pas. Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les caprices de la technologie, et même les frères qui ont appelé souvent, il y a des difficultés, oui. C'est souvent ça, la technologie, on ne peut pas maîtriser totalement. D'accord, tout d'abord, je te félicite beaucoup. Je voulais juste... dis quelque chose, si tu pourrais m'appeler après, là je vais t'expliquer. Il y a un truc depuis 2010 à vers Daokoro là, qu'ils m'ont signalé. Donc je t'ai écrit même depuis avant que j'essaie de jeunes, je n'arrive pas. Effectivement, ces deux jours je me suis beaucoup déplacé et. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai quelqu'un là-bas, celui qui m'a signalé, parce qu'il dit qu'il ne sait pas quoi faire. Okay. Donc il m'a expliqué, j'ai dit d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc dès que je finis, on se prend en privé. Oui. Il n'y a pas de problème. Voilà, là tu m'appelles, je vais t'expliquer. Il n'y a pas de problème. Ok, vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je vais t'expliquer si on a une solution sur ça là, comme ça, après. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Merci beaucoup. Je suis très content maintenant. Bonsoir, Madame Touré, comment allez-vous? Ça va très bien, bonsoir. Bonsoir, les cœurs. Bonsoir à vous. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir à vous, pareillement. Merci, bonsoir aux élèves. Bonsoir, les cœurs. Bonsoir. Ça faisait quand même depuis 2 jours. Effectivement. Je ne sais pas. J'ai l'impression que l'éclaireur est un peu malade parce que la voix, je ne sais pas. L'éclaireur a beaucoup voyagé et ça fait que. Ah, je pense qu'il a attrapé un petit coup de froid, l'éclaireur. Parce que dans la voix, on sent, on dirait qu'il y a un petit. Non, il s'est beaucoup déplacé ces temps-ci. Et ça fait que, effectivement, il y a la fatigue qui est là. Bah oui, parce que ça se ressent un peu dans la voix, effectivement. Effectivement. Comment allez-vous, ça va très bien, merci. Ah, ok. Bonsoir à la classe, au chef de classe. Oui. En fait, vraiment, merci déjà pour toute cette énergie donnée, justement, pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Merci, effectivement. Bon, ben, moi, je voulais juste intervenir par rapport à la situation qui s'est passée. La semaine, il y a quelques jours, là. On va dire que quoi? On va dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Effectivement. Parce que c'est vrai, oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Mais moi, ce que j'aimerais quand même et mon souhait, c'est que, effectivement, une fois qu'on a commencé, qu'on dit qu'il y a des choses qui se font, moi, je pense que dorénavant, ça va peut-être suivre le même chemin. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse les choses à quelqu'un dans le rouge et puis après, on fait dans le bleu, on dit non. Que tout le monde soit logé à la même enseigne pour qu'on commence à avoir au moins un semblant de justice
et vraiment que la justice donne quand même des résultats. Parce que c'est vrai, la dame, la soeur qui est sortie la semaine dernière, moi personnellement, j'ai condamné cette sortie parce que je me suis dit quoi, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé. En fait, parce qu'il y a des gens qui disent non, il y a telle personne qui a dit des choses pareilles, il y en a qui a dit pareil. Mais moi, elles sont cas, quand je regarde, que j'ai analysé, pour moi, je me dis que ça s'appelle de la préméditation. Pourquoi? Parce qu'elle aurait fait cette vidéo-là chez elle, dans son salon. Je pense que ça n'allait pas donner la même ampleur qu'elle aille au milieu de la foule pour inciter les gens et que ça se passe comme ça. Donc, moi, je me dis qu'elle a vraiment essayé de faire une autre, donner une ampleur à sa vidéo, tout et tout. Et malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Et vraiment, moi, je suis très tout à fait d'accord, contente que la justice, une fois, ait été aussi vraiment, voilà, comme on dit, elle a pas comparaison immédiate. Et ce qui se fait dans tous les pays d'ailleurs. Donc voilà, et je pense, j'espère que pour les autres personnes, tout ce qui va se passer maintenant sur la toile, les gens vont quand même essayer de modérer, de contrôler leur langage avant de dire quoi que ce soit. Et ça, c'était le volet par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, concernant un petit peu les gens qui partent, qui reviennent, qui se partent du RHTP, qui reviennent, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut que. C'est vrai, même si on a envie des militants, on a envie des gens. Même les militants de base qui sont là, ceux qui sont là depuis, comme j'ai dit, des pépinières, ceux qui sont, enfin, des anciens, des nouveaux, tout. À un moment donné, on a l'impression que les gens se foutent un peu de nous. Parce que il suffit pas d'être une grosse tête, mais quelqu'un qui est dans un parti politique ou qui, enfin, il se prend pour des hauts cadres, machin, ils vont passer le temps à faire la pluie et le beau temps. Parce qu'à un moment donné, il faut penser à nos militants qui sont là tous les jours, matin, midi et soir, qui prennent les pots cassés, qui prennent le risque d'être tout le temps sur le pavé en train de prendre les coups. Et que ces gens-là sont là en train de faire, d'aller à gauche, à droite, devant tout. Ils sont partout en même temps et nulle part à la fois. Et on les accueille à chaque fois à bras ouverts. À un moment donné, on m'a dit stop parce que moi, personnellement, ça me fatigue. Parce que nous, quand on est là, on se bat que c'est contre eux qui sont en train de créer la haine. Et du jour au lendemain, ils essaient de faire comme si ils sont en train de se faire des meilleurs coups. Ils reviennent passer 1 mois, 2 mois avec nous. Et 4 mois, ils repartent encore en train de lancer des flèches. Au final, ça devient trop, c'est trop. Quand on veut faire des choses dans les droits, dans les sérieux, il faudrait que dorénavant, on commence à faire vraiment des choses qui vont rehausser l'image déjà de la Côte d'Ivoire et surtout celle du président de la République. Et que nous tous, on pense que c'est quelqu'un qui a un niveau, un level qui est vraiment haut. Donc, il faudrait que tout ce qui se passe autour de lui. Parce que moi, j'ai dit, ceux qui sont autour de lui, c'est eux qui doivent faire ce travail-là pour rehausser l'image du président et de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est trop facile de tout le temps partir, revenir, finalement. Nous, qui restons, qui ne partons jamais, on se sent quand même un peu lésé. Et ça devient fatigant, c'est récurrent. Voilà, c'est ce que je voulais juste dire ce soir. Et puis vraiment, dire merci à tout le monde. Il faut qu'on reste mobilisé. Bon, par rapport aussi à l'arrivée de l'autre, que ses partisans sont en train de dire que les gens qui pleurent, ils sont en face qui pleurent. Franchement, je trouve ça tellement déplorable et petit. Ils font tout, en fait. J'ai l'impression que ces gens-là, ils font tout pour enfoncer. À moi, à mon avis, quand on a envie que quelqu'un vienne et que les choses s'apaisent, parce que c'est eux qui font que parler de réconciliation. Ils sont toujours en train de chercher à se réconcilier. On ne sait pas avec qui ils font la guerre. Mais déjà, même eux, dans leur camp, ils n'arrivent pas à se réconcilier. Et c'est eux qui prônent toujours la réconciliation en ayant un langage assez toujours contradictoire aux actes qu'ils posent. Le langage est tout le temps contradictoire et on est toujours dans cette tohu-bohu-là. À un moment donné, il faudrait que tout ça aussi cesse. Que le gouvernement, si ça ne va pas, on les laisse là. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont d'accord de venir vraiment s'asseoir pour négocier, on avance avec eux. Mais si vous comptez toujours à tourner les gens en bourrique, ils n'ont qu'à rester, puis nous, on avance. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer et de voir clair dans tout ce qui se passe dans la sous-région. Et ce qui se passe, parce qu'on a le petit gros qui est là, qui ne lâche pas du tout, qui est toujours tout en train de chercher à sévir. Donc, il faut être vigilant dans tout ça aussi. On ne va pas se laisser distraire par des gens qui font des allées et venues ou qui sont tout en train de tenir un langage rouge. Donc, en fait, c'est des choses qui n'ont jamais de cohérence, en fait. Effectivement. Voilà, c'est tout ce que je voulais. C'était une petite intervention que je voulais faire. Et puis, te dire merci encore pour tout ce que tous les actes, tout ce que tu fais. Et franchement, merci à toute la classe. Et voilà, c'était juste mon intervention. Et puis, on s'est dit, voilà, peut-être à demain. C'est un grand plaisir pour moi et c'est moi qui vous dis Voilà. aussi merci. Et vous passez une très merveilleuse soirée du côté de Paris. Merci Et infiniment, merci ça m'a beaucoup. fait. Oui. Merci. OK.
Et donc, chers auditeurs, vous allez nous le permettre. Nous allons prendre le dernier et la dernière personne qui va intervenir. Et après cela, donc, nous allons faire la conclusion. Et on va se dire au revoir pour ce soir. Et demain sera encore un autre jour durant lequel nous allons pouvoir donner plus de détails. Bonsoir, le conquérant. Oui. Oui. Bonsoir, cher frère éclairant. Et comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Et donc, et votre soirée, ça se passe bien? Oui, ça se passe merveilleusement bien. Dieu merci. Ok. Alors, ce soir, je voudrais intervenir sur le retour de Anaki Kouvena au RHDP et puis aborder encore le volet sécuritaire. Vous voyez, chers frères éclaireurs, c'est ce que nous disons à tout moment. Nous avons toujours recommandé aux partis RHDP de prioriser les militants qui sont vraiment toujours restés fidèles à la vision du parti, ceux qui se sont toujours donnés à cœur ouvert, ceux qui sont toujours allés au four et au moulin pour la confiscation du pouvoir d'État. Eh bien, regardez ce qui se passe. C'est dit Anaki Kouvena. Aujourd'hui, après avoir tout tenté contre le président de la République pour le renverser, n'ayant pas eu gain de cause, n'ayant plus de force, ne sachant plus quoi faire, maintenant il va mettre en avant l'hypocrisie pour négocier son retour et dire que lui il adhère au sein du parti. Vous voyez combien de fois c'est regrettable. Et c'est très regrettable, d'autant plus que quoi. Vous allez vous rendre compte que tout de suite qu'il sera accueilli comme une space star tout de suite. Dès qu'il va revenir, vous allez voir, le tapis rouge lui sera déroulé, il sera reçu par les grandes autorités du RHDP, il sera même reçu par des membres du gouvernement. Et tout ce qui a été commis comme acte de destruction du pays lors de la désobéissance civile, qu'il ait été impliqué dedans activement ou passivement, écoutez, c'est comme si on va faire table rase sur tout ça. Vous voyez combien de fois c'est malheureux? Vous voyez combien de fois c'est malheureux? Pendant ce temps, ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont toujours lutté pour conserver le pouvoir d'État en période difficile, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Même le minimum de respect, ils n'ont pas droit à ça. Et vous voyez la leçon qui est donnée à travers la politique ivoirienne? La leçon qu'on nous donne, ça, c'est quoi? Ça veut dire que le sens, les valeurs qui sont connues dans nos sociétés traditionnelles avant, à savoir la loyauté, la fidélité, la constance dans la lutte, ça veut dire que ces valeurs-là ont foutu le camp en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi nous allons toujours de problème en problème et ça ne s'arrête jamais, la souffrance ne s'arrête jamais. Quand est-ce que les gens vont arrêter de faire du copinage? Quand est-ce qu'on va en finir avec tout ça? C'est bien malheureux. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Tous ceux qui se battent, qui sont au four ou au moulin, très souvent on ne voit pas vraiment le parti en train de valoriser ces gens-là. Ce sont les mêmes toujours dans leur inconstance, dans leur hypocrisie, dans leur machiavélisme, ils font ce qu'ils veulent et ils reviennent s'asseoir quand ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, comme on le dit, le RHDP c'est un restaurant, chacun part quand il veut, il revient quand il veut pour se servir à volonté, à satiété, il mange et il n'y a rien comme on le dit. Vous voyez, quelle leçon veut-on transmettre aux justes, aux générations à venir, à travers cette façon de faire les choses? Mais bon, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, on a décidé que les choses fonctionnent ainsi. Il n'y a pas de problème, on va s'asseoir, on va regarder, on verra bien ce que ça va donner. Mais franchement, c'est regrettable. C'est la honte, ça. C'est la honte, c'est inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ceux qui sont toujours fidèles, ceux qui sont toujours au four et au moulin, il faut qu'ils soient mis en avant pour préserver les acquis et pérenniser le pouvoir sur le long terme. Si on veut vraiment aller de l'avant. Mais bon,
comme on préfère toujours faire les yeux doux à ceux qui sont inconstants, à ceux qui sont infidèles, à ceux qui ne respectent jamais leurs paroles. Bon, il n'y a pas de problème. On est là, on regarde. On regarde. On verra bien ce que ça va donner dans les années à venir. Mais moi, je pense que c'est malheureux. En ce qui concerne le volet sécuritaire, ce que je voudrais ajouter aujourd'hui, il faut préciser qu'au Mali, l'actualité n'est pas bonne. L'actualité actuellement au Mali, elle n'est pas bonne. Du moment où elle n'est pas bonne, il faut que nos autorités sécuritaires soient assez vigilantes. La vigilance est de mise parce que, vous savez, nous sommes inquiets à cause des activités terroristes qui se passent au Mali. Et aujourd'hui, on va nous dire encore que c'est une énième tentative de déstabilisation qui est en cours là-bas. Croyez-moi, ce n'est vraiment pas rassurant. Ce n'est pas rassurant pour nous, ce n'est pas rassurant vraiment pour les pays limitrophes. Voilà un pays qui peine toujours à aller au bout du djihadisme et du terrorisme, mais malheureusement, qui ne cesse jamais de toujours être impliqué dans les coups d'État. Moi, je ne sais pas, les Maliens, qu'est-ce qui se passe, mais vraiment, c'est très grave. Et malheureusement, comme on le dit, quand on veut les aider, ceux qui cherchent à les aider, ils sont toujours en train de dénigrer ces gens-là. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi avec la fin? Moi, je pense que vraiment, les autorités ivoiriennes, surtout les autorités sécuritaires, doivent être assez vigilants parce que ce qui se passe là-bas n'est pas du tout joli à voir. C'est pas rassurant. Voilà, il y a ça. Et puis, comme j'ai eu à le dire encore la dernière fois, nos opposants, ils tenteront le tout pour le tout. Donc, il faut encore vraiment que les autorités soient assez vigilantes. Voilà, la mobilisation au sein du parti, je répète toujours, la répétition est pédagogique. Les RHDP, Adama Bick Togo, en tant que directeur exécutif du RHDP et le gouvernement doivent donner les moyens aux militants et aux secrétaires des sections pour mobiliser sur la base, les différentes bases, parce que les combats à venir seront très déterminants. Voilà, voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Je pense que vraiment, si on peut revoir les choses dans ce sens-là, voilà, ça irait bien. C'est moi qui vous dis extrêmement merci pour les brillantes interventions que vous venez d'évoquer. Et surtout, oui, l'aspect sécuritaire, voyez-vous, malheureusement, nos frères du Mali ont rendu le pays comme un terreau d'instabilité où tous ceux qui ont quand même des idées de déstabilisation peuvent expérimenter cela sur le pays et c'est très malheureux. Et il va falloir qu'on en arrive à mettre fin à cela. Et si vous vous souvenez très bien, c'est Alassane Ouattara qui a été le président qui a dit qu'il fallait condamner le coup d'État, quelles que soient les raisons, à travers la CEDEAO. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, quand on veut faire des lois qui vont permettre au peuple d'évoluer, vous voyez une partie de la population qui s'y oppose. Et malheureusement, on assiste à un cycle de coups d'État. Et souvent, c'est des coups d'État même sans raison. C'est vraiment regrettable. Et c'est très regrettable. Et surtout dans l'environnement global où le terrorisme cherche à se donner de beaux jours, où la pauvreté avec le coronavirus qui est venu encore accentuer la pauvreté dans les familles et avec le contexte de crise internationale qui est liée au Covid, c'est vraiment des choses qu'on aurait pu épargner le Mali. Et on aurait pu penser à autre chose que de nous produire une telle situation. C'est vraiment triste. Mais je crois qu'ensemble, nous allons mener tout ce qu'il faut pour essayer quand même de donner de la voix pour que nos frères du Mali puissent se ressaisir et comprendre que le peuple a besoin de dignité, le peuple a besoin de liberté, mais surtout de paix. C'est vraiment très important. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, voilà un pays où l'armée même peine à aller au bout. Mais voilà un pays où on avait près de 100 généraux. Est-ce que si je vous dis qu'à l'époque de Moussa Traoré, on avait plus de 100 généraux? L'armée du Mali n'existe que de nom. C'est malheureux de le dire, mais à contrario. Et vous voyez que c'est une grande contradiction parce que ça met directement la vie des populations en danger. Et c'est quelque chose
qu'il va falloir que le peuple malien puisse se lever pour exiger vraiment que l'armée soit assainie et que la corruption cesse pour que les choses puissent entrer dans le, puissent entrer dans le, droit chemin. C'est vraiment très important. Ouais. Oui. Vraiment. C'est triste. C'est regrettable. Hein? C'est regrettable. J'ai jamais vu un pays où les gens sont aussi méchants comme ça, vraiment. Ils pensent même pas même à l'avenir. Bon, toujours, c'est des querelles à n'en point finir. Ils sont sortis de la souffrance quand. Déjà en 2012, ils étaient dans une souffrance assez incroyable. Une souffrance indescriptible. C'est le président Ouattara qui a tout fait pour les aider, pour les sortir de ce bourbier-là. Sinon, je vous assure que déjà en 2012, les terroristes, ils prenaient le palais de Kourouba. Mais après ça, que n'a-t-on pas entendu? Quelle parole ingrate n'a-t-on pas entendu vis-à-vis du président Alassane Ouattara de la part de certains ressortissants du Mali? Mais si, après cette souffrance-là, seulement 7 ans après, en 2020, le président était là, vous vous levez, malheureusement avec le concours d'un imam qui s'est transformé en politicien, pour encore envoyer la déstabilisation dans le pays, mais que voulez-vous qu'on fasse? Voilà où nous en sommes. Effectivement. Effectivement. La réalité, c'est que les militaires veulent gérer à 100% le pouvoir sans la contribution des partis politiques et des civils et de la société civile. La réalité malienne, c'est ça. Les militaires veulent à eux seuls le pouvoir. Donc, quand ils voient qu'il y a une autre organisation, un parti politique, ou bien la société civile, ou bien un autre groupement qui est en train de prendre une bonne partie du pouvoir dans leurs mains, tout de suite, ils cherchent toujours à mélanger. Ça a été le cas aujourd'hui. Et il faut aussi dire que l'imam, il faut aussi dire que l'immixtion des politiques comme l'imam Mahmoud Diko a été une grave erreur dans la politique du Mali. La plus grave erreur de l'histoire. Et parce que vous voyez, il est acquis pénal, c'est pas comment ce monsieur a voulu être celui-là même qui avait pris les différents politiciens en otage. Et chaque fois que ses désirs n'étaient pas réalisés, vous voyez qu'il changeait de camp. Et finalement, aujourd'hui, il a utilisé sa crédibilité au niveau de la religion pour mettre le pays dans un bourbier. Et donc, il est comptable aussi de tout le malheur que vit le Mali aujourd'hui et il faut qu'il assume les conséquences. Il faut que le Mali, peuple du Mali s'en souvienne. À cause de l'imam, ça c'est une réalité. Parce que qui l'aurait laissé les politiciens, qui l'aurait laissé les politiciens faire leur travail? Et Ibeka finissait son mandat et on faisait une élection, on n'en serait pas à tout ça aujourd'hui. Jamais. Et donc Mahmoud Diko doit assumer les conséquences qui arrivent aujourd'hui, que ce soit directement ou indirectement, il est le premier responsable de cette situation. Il faut qu'il assume. Et donc quand on veut être un religieux, on assume sa part d'être un religieux, ou bien quand on veut faire de la politique, mais on n'utilise pas le potentiel humain qu'on a pu emmagasiner dans la religion pour les utiliser comme un moyen de pression pour entrer en politique. C'est vraiment très dangereux. Et voilà à quoi ça nous conduit. Et c'est malheureusement la même chose que l'Église catholique voulait faire en Côte d'Ivoire. Effectivement. Et c'est malheureux, chère population, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Quand un religieux devient un politicien, il devient dangereux pour la société. C'est vraiment très dangereux. Voilà. Très dangereux. Très dangereux. Oui. Parce que le drame dans l'histoire, c'est qu'il y a une division absolue au niveau des consciences au Mali. Et aujourd'hui, il y a non seulement les politiciens qui sont en déphasage avec la réalité, mais il y a encore la cassure entre les religieux, la société et les militaires. Ça fait plusieurs équations qui rendent la chose difficile, sans oublier que les djihadistes aussi profitent de ces failles-là pour s'implanter. La situation est très compliquée. La situation malienne est vraiment très compliquée. Le Mali fait frontière avec le Burkina, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Mauritanie. Les deux tiers du Mali sont incontrôlables par l'armée. L'armée n'arrive pas à contrôler. C'est les groupes djihadistes qui sévissent. Bon, à tout moment, vous êtes collé sur une histoire de pouvoir à Bamako et vous êtes incapable d'assurer la sécurité intérieure, vous êtes incapable d'assurer l'intégrité du territoire. Tout ce qui vous intéresse, c'est de mélanger les pays. Et effectivement, il y a Prado Boussole qui vient encore enfoncer le coup. Vous allez où pas?
ce qui va se passer. Ils vont se déplacer en grand nombre pour venir en Côte d'Ivoire. Effectivement, parce que la déstabilisation a toujours des conséquences, qu'elles soient directes ou indirectes. Et cela n'est pas sans conséquences sur la Côte d'Ivoire également. C'est pour cela que le président Ouattara se bat matin et soir pour que ce pays puisse tirer son épingle du jeu du point de vue de la stabilité. Mais malheureusement, ils ne le comprennent jamais. Ils ne le comprennent jamais. Ils ne font qu'à leur tête. Ils ne font qu'à leur tête. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je crois que cette fois-ci, la CEDEAO sera obligée de prendre ses responsabilités et d'être très ferme. Et d'être ferme de la manière la plus implacable possible pour que cela cesse. Parce qu'on ne peut pas chaque fois... Vous voyez ce que je vous dis souvent. La CEDEAO, en fait, si vous enlevez le poids du président Alassane Ouattara dans la CEDEAO, c'est une coquille vide, moi je vous dis, Éclaireur. C'est une réalité, c'est une coquille très vide. La CEDEAO, sans le président Ouattara, ne résout aucun problème. La dernière fois, je vous ai exposé le problème de l'immigration clandestine. C'est vrai, vous avez vu la vidéo qui est intervenue, qui a créé les problèmes. La vidéo est cette fausse. Mais la réalité, c'est laquelle? Il y a les passages clandestins dans le désert. Tout le monde sait ça aujourd'hui, où il y a des maltraitances. Une traite humaine qui ne dit pas son nom, il y a des passages clandestins qui partent depuis le Sahel du Niger pour aller en Libye, qui partent depuis le Sahel du Mali pour aller en Libye. C'est une réalité. Les gens sont maltraités là-bas. Il y a des choses assez incroyables qui se passent. Pourquoi la CEDEAO est incapable d'agir pour mettre fin à ça? Vous voyez, c'est vraiment avec beaucoup de douleur au cœur que parfois je vois nos frères emprunter ces chemins de la mort, surtout passer par la Libye et la Libye prendre la Méditerranée aller, ou bien passer par la Tunisie. Vous savez quoi? Moi, on m'avait proposé un moment d'aller travailler en Tunisie. Mais j'ai analysé l'aspect sécuritaire. Quand j'ai vu que la sécurité n'y était pas dans ce pays, vis-à-vis de certains ressortissants de la CEDEAO, j'ai compris que ce n'était pas la paix. Le monde est devenu très, 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 très dangereux. Le monde où nous sommes est devenu dangereux. On ne sait plus où mettre la tête. Mais je ne sais pas pourquoi les dirigeants ne prennent pas assez souvent ces problèmes-là au sérieux. Un jour arrivera où il ne sera plus possible de circuler dans l'espace CEDEAO si rien n'est fait. Regardez ce qui se passe. L'armée nigériane, le grand Nigeria que vous connaissez, est incapable d'aller au bout des terroristes de Boko Haram. L'armée du Niger est incapable. L'année dernière, c'est au Niger qu'on a vu les terroristes sont venus. Ils ont tué plus de 100 soldats dans un camp et ils ont emporté le matériel militaire par divers. Ils sont partis avec. On a vu ça au Niger. Le Mali est incapable. Il n'y a que le Tchad qui sauve l'honneur. Mais le Tchad, ce n'est pas un pays qui est aussi riche. Le Tchad, toutes les frontières tchadiennes sont des foyers de tension. Ils sont toujours obligés d'aller au four et au moulin pour se défendre et assurer l'intégrité du territoire. Mais c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais les Tchadiens sauvent l'honneur. Les Tchadiens vont au four et au moulin. S'ils ne se battent pas, le Tchad sera un noyau du terrorisme. Mais pourquoi la grande armée du Nigeria est incapable d'aller au bout de Boko Haram? Le Niger, le Mali, on n'en parle pas. Le Burkina Faso peine. Si rien n'est fait, qu'est-ce qui va se passer un jour? Qu'est-ce qui va se passer un jour? Moi, je suis très inquiet. C'est avec beaucoup d'amertume que je m'exprime aujourd'hui. Mais vraiment, je vous dis, si rien n'est fait un jour, ce sera trop tard. Il faut bien que les autres pays assurent. Les Tchadiens, c'est des hommes, ils assurent. On peut être fier d'eux. Pourquoi les Maliens, les Burkinabés ne peuvent pas faire autant? Moi, j'espère que l'armée ivoirienne vraiment va se battre jour et nuit. Il faut vraiment renforcer les capacités d'intervention et les compétences de l'armée ivoirienne. Sinon, éclaireur, je vous dis, la CEDEAO, c'est devenu une sous-région à craindre. Honnêtement, les pays sahéliens, ça, on n'en parle pas. Si vous prenez la Mauritanie, toute la côte là, vous partez de la Mauritanie en passant là de façon transversale vers l'Algérie, le désert malien du Niger, pour aller quelque part vers le Soudan là-bas, la Libye. Je vous dis, tout
tout cet espace que vous voyez, ces espaces à risque, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les emprunter de façon paisible et être sûr d'arriver à bon port. Mais que deviendra le monde? Que deviendra le monde? C'est assez grave ce qui se passe. Bon, je pense que je ne vais pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter là, mais vraiment, je pense que quelque chose doit être fait, sinon ce n'est pas bon. Ok. C'est nous que vous disons merci. Oui. Votre intervention, elle a été magistrale et elle est très riche et elle est toujours appréciée. Oui. Et nous vous disons merci beaucoup. Oui. Et passez une excellente merci soirée beaucoup. De là où vous vous trouvez. Merci beaucoup. Okay. Excellente nuit. Okay. OK. Et donc, chers auditeurs, nous en sommes à la fin de l'émission et c'est un plaisir renouvelé que de dire merci à chacun et à chacune pour les brillantes interventions que vous avez eu à effectuer. Et ici, comme on aime à le dire à chaque fois, notre intention est, comme le disait Prado Boussol, le père Jean-Aristide Bertrand a foutu le peuple haïtien dans la merde. Et donc, c'est un peu la difficulté quand le peuple ne sait pas le chemin à suivre pour pouvoir choisir ses dirigeants. Faisons beaucoup attention, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, comme disait le dernier intervenant, le monde est devenu une place extrêmement dangereuse. Et ça, il ne faut pas qu'on vous mente. Ne nous voilons pas la face, disons-le nous clairement, le monde est devenu très dangereux. Et si on s'amuse à faire les mauvais choix, les conséquences, on les paye de façon cruelle. Et c'est à cet effet-là qu'il faille trouver des mécanismes des plus rigoureux. Et de façon individuelle, on doit s'autodiscipliner, on doit discipliner nos sociétés et on doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour apporter la République de la manière la plus ferme possible à toute forme de déstabilisation. Et malheureusement, nous allons terminer la conclusion avec le Mali, un pays que nous aimons, un pays frère. Mais il est temps que, chers Maliens, vous prenez votre destin à main pour que le cycle de déstabilisation cesse au Mali, parce que vous mettez en danger non seulement la vie du Mali et des Maliens, mais de toute la sous-région. Et il est temps que ça cesse. Il est temps que vous, population du Mali, que vous sortiez de vos émotions en soutenant Haïdara, ou bien en soutenant Diko, ou bien en soutenant le Nord, que vous appelez les Brudamés. Là, maintenant, je vous parle en tant qu'un Malien. Il est temps que tout ça, ça doit cesser. Il est temps que vous ouvrez les yeux pour comprendre que l'armée malienne a escorté Agali et son détachement. Il est temps que vous compreniez que l'Algérie ne veut pas la paix au Mali à cause du pétrole. Il est temps que vous compreniez que quand l'armée a été attaquée dans le Nord il y a 2 ans, c'était avec la complicité de l'Algérie. Chers frères maliens, réveillez-vous et essayez vous-même de dire que vous voulez faire cessons le cycle des violences. C'est vraiment très important. Parce que économiquement et socialement, quand les gens vont descendre pour se disperser en Afrique, à cause de la crise qui est en train de naître, c'est les djihadistes qui vont se mettre dans ces populations-là pour descendre et leur combat, ils l'auront réussi à moitié parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut les contrôler. Mais aujourd'hui, avec les mouvements de masse, ces gens-là peuvent se faufiler dans la population et descendre. Et donc, chers frères, il est temps que chacun en tant qu'Africain, on puisse désirer une chose et une seule chose pour nos différentes patries et pour l'Afrique tout entière, c'est la paix et la sécurité de tous les citoyens africains. Nous le méritons et c'est même un devoir que nous devons nous imposer à nous-mêmes. Et donc, chers Ivoiriens, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tous ceux qui pensent qu'il y a un hasard sont des esprits faibles. Et donc, toute situation qui adviendrait s'impose à nous de nous demander la simple question suivante. Pourquoi tel événement arrive en ce moment précis? C'est l'irresponsabilité et l'incapacité du peuple malien à pouvoir juger les événements, à pouvoir analyser les faits qui nous conduit à tout ça aujourd'hui. À l'époque, Guéï a essayé. Et là, le pouvoir est allé dans la rue. Et ceux qui comprennent bien la politique ivoirienne comprendront de quoi je parle. Mais c'est l'irresponsabilité des socialistes qui a fait que le FPI a pris le pouvoir de façon calamiteuse. Et on ne peut pas s'amuser avec la vie de millions de Maliens, avec la vie de millions d'Africains,
qui aspire rien qu'à la paix et à la sécurité. Et on s'amuse chaque fois avec des groupuscules qui, au nom d'une certaine instabilité, s'amusent avec le peuple. Je crois qu'à un moment, il faut arrêter. Chers auditeurs, nous vous disons merci. Aujourd'hui a été un jour, demain en sera encore un autre. Nous prions pour que Dieu nous maintienne en vie, dans la miséricorde divine, mais surtout qu'il nous guide sur les droits chemins. Parce qu'en réalité, il n'y a pas qu'un seul droit chemin, il y a plusieurs droits chemins. Et donc, je vous permettrai de réfléchir sur ce que je viens de dire, surtout la dernière phrase, que Dieu nous guide sur un des droits chemins. Et je vous dis merci et bonne nuit à chacun.